Bonjour, 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 bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonjour, ma copine. Maman Lily, comment tu vas? Partage le quota. Partage le quota. Ben Angénaud, partagez, partagez, partagez. Bonjour, bonjour. On appelle ça que quoi? Que la plus belle femme de la diaspora qui est dans l'église, l'église de la sorcellerie. Bonjour, 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 Diane. La plus belle, là, celle qui m'insulte, je décomme à mon goût. Décomme à mon goût, vraiment. Tu es tombé aussi bas, hein, mon grand. Je ne veux pas jouer le même jeu que toi. C'est pour ça que je ne parle pas de toi. Bonjour, Belle. Merci pour le bip tout à l'heure. Je m'appelle. Faut qu'on parle. Ma pépé ne veut pas beaucoup parler. Je la comprends. C'est normal. On dit qu'une maman, c'est celle qui caresse, qui tape et qui fait les caresses. Je n'en veux pas. Je peux très bien la comprendre. Mais moi, je veux parler parce que je suis électron libre. Je suis électron libre. Partagez les quotas, partagez, pardon. On écoute un peu. Grâce d'Eka. 50% de remise plus jusqu'à 40% La sur maman du challenge. Bonjour Kota. Bonjour Marco. Partagez le direct, Marco. On écoute un peu ma soeur Grâce d'Eka. J'ai pas le droit d'auteur dans cette musique. Le droit de terre revient à ma soeur, Grâce d'Eka. Même si je maigris pour vous faire plaisir, vous n'allez pas m'aimer. Même si je vous fais boire l'huile. Avec la cuillère, vous n'allez pas m'aimer. Je pouvais être détestée. Au revoir, ma fille Marie-Anne, que je sais qu'elle m'aime. Oh, c'est pas gentil. La musique ne va pas couper. Si ça bug, vous dites que ça bug. La musique de Grâce d'Eka, là, je ne pense pas que ça demande les droits d'auteur. Je pense pas. Ouais, c'est mon fils. Les enfants, si vraiment, il n'a pas chargé la tablette. Donc, la tablette est déchargée. On arrête Grâce d'Eka. Mais je vais un peu vous expliquer un peu ce que parle de la chanson de Grâce d'Eka. Grâce d'Eka parle, elle dit que même si elle porte le sexy, tu ne vas pas l'aimer. Même si elle devient belle, elle fait le make-up comme j'ai fait le make-up là, comme notre tata Lolo, on va pas l'aimer. Même si je maigris, je deviens gringa, comme ma pépé, on va pas m'aimer. Même si je deviens apaclaré, comme c'est mon ventre, si quatre enfants que vous insultez, vous n'allez pas m'aimer. Donc, comme moi, je me préfère, je vais rester comme je suis et je vais rester moi-même.
Je ne ferai pas tout ça pour vous faire plaisir. Parce qu'il faut d'abord s'aimer soi-même et se faire plaisir à soi. Bonjour, bonjour Tatiana, bonjour ma baisse. Ma S-baisse, parce que tu as refusé mon frère DKM. Donc, je me préfère, je m'aime, j'ai les gens qui m'aiment et ça me suffit. L'amour de Facebook, c'est comme le direct que je vais lancer et je vais arrêter tout à l'heure. Ni vu, ni connu. Donc, moi, je ne cherche pas moi l'amour de Facebook. Parce que je connais comment l'amour de Facebook est. C'est un amour qui ne dure pas. Ça dure le temps d'un direct. Et il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de déceptions. Aujourd'hui, j'ai, comme vous avez vu dans ce que j'ai écrit, je parle de notre frère Antoine Essomba. Non, Antoine Atangana. Antoine Atangana. Nous avons tous hier écouté son direct. Ceux qui n'ont pas écouté, je ne sais pas. Il faut la rejouer un peu, mais il avait un direct trop long. Il a même dépassé la barre de challenge de, on appelle ça des ténébreux, jusqu'à, j'ai dormi, je me suis réveillé, je me suis recouché. Il était toujours en direct. Donc, le direct là est trop long, mes gens, laissons ça. Vous allez écouter ça peut-être, allez chez Choupinette, Flore Choupinette, allez chez Lucille de Reims, allez chez mes bébés là, qui coupent les directs là. La tigresse, vous allez voir ça là-bas, elles ont essayé de couper. Mais c'est trop long. Donc, s'il veut qu'on nous mette ça ici, vous n'allez, on va pas s'en sortir. Mais le message, cela n'empêche pas. Merci Julia Robert. Oh, Kota, bonjour ma soeur. Julia Robert, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Partagez le direct. Partagez le direct parce que je vais un peu parler. Un peu à la diaspora qui est encore conscient. À la diaspora qui peut encore comprendre les choses. Qui fait encore la différence des choses. Parce que ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est cette diaspora-là qui a pris le pouvoir dans Meta. Et c'est cette diaspora-là que nous et vous, on vénère. Parce que cette diaspora-là, c'est elle qui est visible. La diaspora sainte, la diaspora travailleur, la diaspora d'exemple, on fait tout pour l'effacer et pour lui remettre, pour le mettre dans le noir. Ahmed Kamel parle ici. Merci, oui, je ressens. Ok. Non, hey. Ta soeur, ma soeur sénégalaise. Tu as une soeur sénégalaise qui me ressemble. Non, moi, je suis moi camerounaise. Donc, c'est cette diaspora-là qu'on voit. Et c'est cette diaspora-là qu'on a toujours connue. À un moment donné, merci Julia Robert, merci. À un moment donné, je vais plus lire les commentaires pour être plus concentré. À un moment donné, nous-mêmes, on est perdus dans cette diaspora-là. Parce que tu vas voir, comme la petite qui vient de se connecter, qu'on appelle Vénus Germaine. Quand cette petite parle, tu sens déjà, un, que c'est une petite fille. De deux, tu sens que là, il y en a comme ça là. Tu sens que là, elle réfléchit. Quand tu vas intervenir dans les directs, on te donne ce mal oreiller, tu dors. Tu rêves, tu fais les beaux rêves. Tu te retrouves dans une école que toi-même, tu n'es même pas allé à la cile à cause des enfants comme ça. Et ce sont elles qui ont choisi rester dans le noir et que personne ne connaît parce qu'elles ne parlent pas beaucoup. Parce que peut-être elle a peur de votre jugement. Parce que peut-être elle a peur de ce que vous allez penser d'elle. Vous allez que voir le physique, le matu vu
le bling-bling, les feux d'artifice, vous n'allez pas regarder ce qui est caché derrière. C'est à cause de ça que les Vénus germaines, c'est son anniversaire. Ah ouais, joyeux anniversaire, Vénus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Vénus germaine. Joyeux anniversaire. Ma fille, si tu es dans le noir pour ton choix, reste dans ton noir, mais quand tu es être intelligent, parce que je te connais pas, rien que le fait de t'écouter parler, je sens que tu es une femme qui porte beaucoup, ce qu'on appelle les bagages. Le bagage intellectuel, là, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Continue à bosser comme tu le fais. Donc, on revient sur ce qu'on est en train de dire. On a toujours apprécié ce qui brille. On a toujours apprécié ce qui fait le bruit, le toc, 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 toc. On n'a jamais apprécié ce qui est les vraies valeurs des gens. On va voir notre frère Antoine qui nous sort une histoire abracadabra comme celle qu'elle a sortie hier. Et attendez, je veux bloquer Nyak Steven là. Je veux d'abord supprimer son commentaire et puis je vais le bloquer lui-même. Il est où? Nyak Steven, viens. Va continuer la haine là-bas. Moi, je ne discute plus avec les faux profils. Un faux profil qui m'insulte, même dans un autre direct, je vois, je te bloque. Point bas, je passe à autre chose. C'est mon nouveau... C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Moi, je suis plus les faux profils. Même dans un direct, je vois un faux profil qui me suit. Je ne cherche pas à savoir. Je te bloque. Tu te reposes à l'amour du Seigneur, c'est tout. Donc, je reviens sur ce qu'on est en train de dire. Cette diaspora-là, qui est pleine d'intelligence, qui est pleine de bagages, on ne les voit pas. Parce qu'on a choisi à valoriser cette diaspora pourrie, 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 pourrie. Qu'aujourd'hui, on se trouve dans ce qu'on se trouve aujourd'hui de Antoine qui vient nous raconter sa vie avec sa compagne, Michel. Vrai ou faux? Ce qui est sûr, il y a une part de vérité là-dedans. On va pas dire que ce garçon, tout ce qu'il a fait pendant 5 heures du temps, il n'a que dit du mensonge. C'est faux. On n'est pas bête. On n'est pas tous stupides. Il y a encore les gens intelligents. Les gens qui sont là pour observer, qui vous regardent. Oui, ce qu'il a dit à 90% est vrai. Il a peut-être arrangé ça à sa façon. Que ce soit lui, que ce soit sa compagne, les deux, vraiment, on ne prend rien dans ça. On ne prend rien dans ça. Pourquoi? Parce que c'est cette diaspora qu'on a toujours vénérée. Moi, je me souviens, à l'époque, quand on parlait de les soirées de Paris, ce n'est pas les pépettes qu'on fait aujourd'hui là. Quand les Michel et Somba entraient en salle, toute l'assemblée tremblait. Tout le monde était en strange. Tous les organisateurs, tout le monde, ce sont eux qu'on voyait comme les Jésus-Christ de Nazareth. Les Saint-Esprit étaient les noms comme ça qui venaient dans les soirées, 5 personnes pour une bouteille de whisky où on a cotisé chacun ses 20 euros. On ne nous calculait même pas. Les gens, nos frères là et nos sœurs qui organisent les soirées, ils nous appellent seulement que venez remplir la salle. Et je suis sûr que ce sont même les nous comme ça qui faisaient la beauté des soirées là. Ils nous calculent pas. C'est les Michel et Somba qu'on déroulait les tapis rouges, qu'on soulevait jusqu'au ciel quand elle entrait. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que quoi? Que c'est une autre Michel et Somba que vous nous présentez aujourd'hui, c'est la même. La différence, c'est seulement que elle change de nom, mais le prénom
est pareil et c'est la même personne. C'est ce que vous aimez. Les matchs vus. Les flashs. Et c'est vous qui venez les insulter. Vous pensez qu'une personne normale qui travaille, qui gagne 1500 euros, qui gagne 1200 euros, qui gagne 2000 euros, peut vivre la vie que les filles la vivent. Dans cette France-ci, que nous tous en est, on dit à Douala Coco, t'aimes. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Mais les filles la vivent comme si eux, ils ne sont pas la même, au même espace que nous. Nous, on est venus juste les acclamer, les regarder, les observer. C'est quoi ça? Et on est resté sur ça pendant les années, pendant les années, pendant les années. Et si tu vas même au Cameroun, on a même contaminé ceux qui sont restés au pays. Parce que quand ils voient les images qui viennent d'ici, c'est ce qu'ils voient. Et tu vas voir. Tu vas voir comment les jeunes, la jeunesse au Cameroun est entrée dedans. La jeunesse au Cameroun est entrée dedans. La vie de paraître. M'as-tu vu? Parce que ce sont les ces personnes que vous avez donné les chaises en or. Les chaises princesses, vos grandes chaises de soirée là. Vous les avez décorées dans la diaspora. Les nous comme ça, on ne doit pas parler parce que je suis grosse. Parce que je ne sais pas me maquiller comme Tata Lolo. Parce que je ne mets pas les talents comme Fleur de Lis. Parce que je ne sais pas parler français comme Maman Pépé. Parce que je ne rapporte pas les milliards d'euros comme Michel et Somba. Vous devez nous mettre à la poubelle. On ne doit pas parler de nous. Ce sont eux qui ont des teams. Des milliers et des milliers de Camerounais qui les suivent, qui les regardent. Beaucoup ont compris que c'est pas ça qu'on attend d'eux. Peut-être on a cru que c'est un jeu. Après, on va revenir à la vie réelle. Elles sont sorties. Elles sont en train de sortir de là pour vivre un peu une vie décente et normale. Beaucoup sont encore restés dans ça. Beaucoup sont encore restés dans ça. Parce que c'est ce que nous, on les a valorisés. On les a valorisés. Et ça a duré tellement que aujourd'hui, l'arrivée de Internet, smartphone, toutes ces choses-là, Facebook, tout, a fait qu'on voit tout le monde. Tu ne peux plus te cacher. Que tu le veuilles ou pas, on va seulement te voir. Même si c'est pas toi qui filme, quelqu'un d'autre va te filmer, il va venir mettre, on va voir. Mais oui, mes frères et sœurs, jusqu'à quand on va laisser ça? Jusqu'à quand on va continuer dans ça? Monsieur Latangana, viens s'asseoir. Hier, vous racontez toute cette saleté qui nous est sortie hier. Toute cette saleté qui nous est sortie hier. Il avait plus de 1000, 2000 personnes en ligne, moi-même, il peut compris. On l'écoutait. Oui, parce qu'on aime aussi écouter, il ne faut pas se mentir. Mais après, il faut taper fort. Moi, j'étais dans ce direct pour écouter, pour apprendre, le répondre comme je le réponds là. Donc, moi, je vais dire, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. C'est trop facile d'appeler les gens, nous regarder et ne rien sortir dans ce qu'on fait. Parce qu'on a eu nous-mêmes l'habitude de valoriser ceux qui ne sont rien, ceux qui ne rapportent rien. Vous avez tous écouté le discours de ce monsieur. Un discours incroyable qu'un être humain censé ne doit même pas prononcer, raconter aux gens. Même si c'est ton meilleur ami, tu devais garder ça. Tu devais m'avoir honte de raconter ça aux gens.
Tu es venu nous raconter ça pour quand tu es Michel Essomba. Vous pensez que Michel Essomba est trop trop forte pour être tout ce qu'elle a fait ou bien tout ce que vous avez raconté qu'elle a fait. C'est parce que vous-même, les hommes qui sont avec elle, vous êtes derrière elle depuis les siècles des siècles pour ça. C'est elle-même la vraie victime dans ce truc. S'il faut vraiment regarder, elle, son moment va arriver. Je parle d'abord à ce monsieur qui est venu nous sortir un direct de 5 heures du temps pour nous raconter comment il accompagnait sa femme se prostituer parce qu'elle était escort girl. Oui, vous avez dit que Natacha de Monaco vous a dit que c'est un métier comme tout le reste. Il nous racontait comment il vivait la vie de débauche, comment il avait l'argent pour une histoire abracadabran. Comment ils escroquaient un monsieur, comment vraiment c'est. Je me demande même souvent si, même si vous n'avez pas les gens qui peuvent vous parler, dormez un peu, réfléchissez un peu, dites-vous un peu que est-ce que c'est bien ce que je vais dire. Même si ce n'est pas moi encore, parce que tu disais que c'est elle, c'est elle, c'est elle. Toi-même, tu faisais quoi dedans? C'est pour ça que la police, quand la police est venue, on vous a porté toutes les deux. Vous partiez. Vous avez fait la prison à deux. Oui. Parce que si c'était elle la mauvaise, toi-même, tu faisais quoi? Et je suis sûr que Michel et son maman, jusqu'à maintenant, il n'a pas compris. On va toujours venir la soutenir. Moi, je ne te soutiens pas, Michel et son maman. Je ne te soutiens pas parce que je n'attends rien de toi. Tu dis que tu es ma petite soeur, tu viens de fêter tes 42 ans. Moi, depuis que je suis encore mes petites là, que je ne connaissais même pas encore bien, bien la vie, je te voyais déjà tourner avec mes frères. Donc, toi, tu as envie de commencer comme ça. Et c'est comme ça que vous êtes toujours des enfants. Vous ne vieillissez pas. Vous êtes toujours des bébés. Tu veux qu'on compte combien d'années tu tournes dans les soirées à Paris? Et on retire ça dans les 42 ans là? Et on voit ce qui va rester? Ça suffit, hein? On ne veut plus voir cette diaspora là. J'appelle ici à tous mes frères, les organisateurs des soirées. Valorisez-nous aussi. Valorisez-nous. Valoriser ces femmes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Ces hommes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Arrêtez de valoriser ces personnes qu'on ne sait pas d'où ils viennent avec leur argent et vous les donnez l'or et vous les donnez tous les mérites. Nous, on est dans le Shabbat et ils sont dans les tapis rouges. Ce sont vos enfants qui vont écoper de leurs bêtises là. Et avec votre complicité. Ce sont vos propres enfants. Comme vous voulez l'argent, vous ne regardez pas le bon sens. Oui. Ce sont vos enfants qui vont écoper ça. Ne pensez pas que ce n'est que les enfants des autres qui vont voir ça. Vous-même, les organisateurs de soirées là, qui ont toujours valorisé ces personnes. Les vrais gens qui viennent dans les soirées ne sont pas vus. Parce qu'ils n'ont pas les milliards à dépenser. On n'a pas de baignoires de champagne à offrir. Souvent, tu vois même à la fin de soirée, hein, les nous comme ça, qu'on attend que le bus commence à 6 heures pour rentrer prendre le premier bus. On reste là-bas jusqu'à Tetekekoba. Tu vois que dans les tables où il y avait les baignoires, c'est les tables des stars là. Star Wolowos, Star Bandi, Star Prostinès, Star tout ce qui est mauvais. Les champagnes, ils n'ont même pas bu la moitié. Ils n'ont même pas bu la moitié. Tu te demandes si c'est un plan avec les promoteurs, avec les organisateurs. Tu te demandes si vraiment les gens si ont payé ça. Parce que même si tu ne finis pas, moi souvent, le petit whisky qui nous reste là, je prends comme ça. Je m'en vais monter dans mon bus avec. Arrêtez un peu. Arrêtez, c'est trop. Vraiment, vous voulez qu'on vous parle. Tout le monde doit devenir blogueuse. Tout le monde va devenir blogueuse pour vous parler.
Si les vrais blogueurs n'ont pas fait le travail comme il faut, parce que eux-mêmes ce ne sont pas des exemples. C'est quoi ça? Tu arrives dans une soirée, les cinq marraines, elles sont toutes belles. Tu te demandes que les filles-là même, elles sont refaites, elles ont des poitrines, toutes les chirurgies, nanani, nanana. Elles ont les maquilleuses professionnelles, tout, tout, tout. Tu te demandes que, est-ce qu'on est tous dans le même monde? Les ongles, les faux ongles en main, du 1er au 31. Mais ce ne sont pas les gens qui travaillent dans les bureaux. Hein. Soi-disant, elles n'ont pas fait les études. Hein. Parce que quand je demande leur CV est comme pour moi, là, hein. Ménagère, aide de toilette, RSH, assistant de vie, auxiliaire de vie, cuisinière, oui. Il n'y a pas un CV avec Bac plus nanani nanana, BTS nanani nanana. Il n'y a aucun CV qui a tout ça. Gardien de nuit, chauffeur de taxi, il a encore dit ambulancier, nanani. Un CV, on appelle ça que le CV des Français moyens. Mais eux, ils vivent plus que les Français riches. Oui. Vous allez vous dire, Nicole, ils sont pas fait les études. Elle a grandi en France. Elle est venue à 9 ans. Elle machin, machin. Elle est passée par le français. Elle fait quoi de ce français? Elle fait quoi de ce français? Même les papiers. Abracatabra. Doum, 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 doum. Doum, doum, doum. Doudou, 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 cher bandit est mort hier. Elle n'avait pas de papier. Et beaucoup sont comme ça. C'était ça la diaspora que j'ai trouvée ici en Bain. Oui. C'était ça, cette diaspora-là. Moi, quand je suis arrivée, il y a ma grande soeur qui est dans le direct là, Jackie. Elle m'a dit, ma petite soeur, tu viens d'arriver. Ne fais pas comme nous. Ne va même pas faire le travail de restaurant là où on te paye 50 euros la journée. Nanani, nanana. Tu vas entrer dans les histoires de Paris, tu vas perdre le temps, tu vas pas vite avoir ton kaolo. Cherche d'abord ton papier. J'ai commencé d'abord à chercher mon papier. J'ai eu mon premier titre de séjour à Antony. J'habitais à Montrouge. Mon premier titre de séjour de un an à Antony. Après, quand on m'a donné mes un an, j'ai déménagé de Montrouge. Je suis maintenant allé à Nanterre parce que j'étais déjà au niveau de Valois-Perrier. Je partais maintenant qu'à Nanterre. J'ai eu mes papiers à Nanterre. J'ai eu mes 10 ans à Nanterre. Oui. Vous avez dit que nous tous sommes mariés, les blancs, parce qu'on veut avoir, nanani, nanana, on veut les blancs, machin, machin, c'est pas tout le monde. Vous avez valorisé seulement ceux qui vivent, qui ont les mêmes CV que vous. Comme par hasard. Comme par hasard. Notre soeur n'avait même pas de kaolo. Parce qu'elle était dans un monde vicieux. Quand tu vas venir les parler, c'est comme si tu as quelque chose avec eux. C'est comme si tu veux quelque chose. Michel, je n'ai rien contre toi. Mais les gens comme toi, là, ça suffit. On en a marre. C'est pas parce que tu fais pas les directs. Mais tu fais plus de bruit que ceux qui se présentent dans Facebook. Si moi, si je te dis pas ça, c'est que je suis hypocrite avec toi. Regarde même ta maman. Compression Maléba qui te soutient depuis le début. Elle est ici. Elle n'en peut plus. Elle est ici. Wati Kamoningo Kanyingo. Tu penses que cette fille va passer toute sa vie à te soutenir? Elle n'a pas arrêté de. Elle a fait au moins 50 directs aujourd'hui. On faisait que signaler. Parce que les gens n'étaient pas d'accord. Mais je la comprends la raison. Quand on est loyal, on est loyal.
C'est toi qui se promène dans tous les inbox. Tu vas appeler tout le monde. Tu appelles le lot. Tu appelles Flore. Tu appelles l'autre. Tu appelles l'autre. Tu appelles l'autre. Tu appelles tout le monde. On t'a dit qu'on doit, on doit être aimé par tout le monde. C'est pas possible. Toujours les mêmes choses sur Facebook. Toujours, vous allez voir que dans 3-5 ans, on va revenir sur ça. Parce que cette histoire-ci, c'est une série. C'est une série. On dit saison 5, saison 2, saison 3, saison 4, saison 1. Toutes les histoires-là, hein, c'est les séries qui continuent. Il n'y a rien de nouveau. C'est les choses qui étaient là. Mais c'est parce que les filles-là et ces garçons ne retiennent pas. C'est pour cela qu'on reparle encore de ça 5 ans, 10 ans après. Parce que si c'était les gens intelligents, après la, l'épisode-là, quelqu'un se met à côté. Quelqu'un se met à côté, on oublie. Même quand on parle de la personne, on ne parle plus de la personne pour, sur ce domaine-là. Mais non! Elles sont toujours en train de, d'écraser leur sorcellerie. Bac, 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 bac. C'est quoi ça? Composition va te soutenir jusqu'à quand? La pauvre! Elle est ici, elle est ici. Elle n'a même pas pu faire le direct. Elle n'a même pas pu faire le direct. Parce qu'on la signalait. On la signalait. Vous pensez que parce qu'on est loyal, on est bête. Vous allez dire que parce qu'elle est mendiante, parce qu'elle cherche quelque chose. C'est ces bénédictions qu'elle cherche. Parce que toutes ces personnes-là, qui sont comme les Essola partout, Essola, à la fin, on voit votre fin. Même dans nos vraies vies au quartier, même dans nos vraies vies en famille, les gens comme vous là, vous pensez que parce qu'on est trop bon là, on est trop bête, c'est faux. Et même vous qui faites la méchanceté, la gentillesse mais calculée là, c'est vous là, qu'à la fin, on voit que tout ce que tu donnais n'était pas pur. On connaît les oncles qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient le barbare de la famille. De hier, l'oncle est devenu comme ça, elle a commencé, elle est devenue nothing. Parce que tout ce qu'il faisait là, c'était pas du pur, c'était pas du clair, c'était pas du bon. Quand il te donnait 1000 francs, c'est parce qu'il voulait que demain, quand il a un truc, c'était pour acheter même ton amour. C'était pour acheter même tout, tout ne venait pas naturellement. Tu peux pas faire ça, ma chérie. Cette femme-là te supporte, elle te supporte, elle te supporte. Mais à un moment donné, faut la, si tu l'aimes, protège-la aussi. Protège-la. Protège-la. Tu fais semblant de ne pas parler, mais tu parles. Les gens comme toi, c'est les gens dangereux. Dangereuses. Tu parles pas devant les gens, mais tu parles plus derrière. Tous les jours, les mêmes histoires. Les mêmes histoires. L'autre vient s'asseoir et commence à raconter sa vie, sa Bible, comme s'il est donc en train de saboter Michel, comme s'il est donc en train de dénigrer Michel. Et pourtant, c'est de lui-même qu'il parlait. Il n'a même pas, il s'est même pas rendu compte. Il était tellement dans son jeu, il rigolait. Et les faux profils envoyaient, oh papa, tu es beau, hein. Ah bon? On a dit que j'ai mal à l'œil, là. Ah bon? Et je suis belle. Je n'ai pas un gros ventre. Ah, et vous voyez comment? N'importe quoi. C'est quoi ça? Oh, Michel, ceci. Oh, Michel, cela. Oh, Michel. Et toi, tu étais où? Toi, tu étais où? Toi, tu étais où? Quand Michel était tout ce que tu nous as présenté hier. Tu étais avec elle. Heureusement que tu ne pouvais pas nier. Parce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Comment tu tenais la main? Comment tu étais là? Parce que elle, quand elle est avec toi, elle ne cache pas ces choses, hein. Elle ne cache pas. Vous allez manger son argent là, lui faire travailler comme vous lui faites travailler là. C'est que si elle va seulement que vous affichez.
Vous n'allez pas vous cacher. Personne ne viendra la nias derrière et manger son argent caché. Elle va que vous exposer, maman. Pour l'autre là, hein, je suis même d'accord avec toi. Oui. Parce que si on ne voyait pas, il allait peut-être dire qu'il n'était pas là. Ça ne le concernait même pas, ni de loin, ni de près. Oui, il allait dire ça. C'est pour ça que je dis que même celui qui est avec toi aujourd'hui là, qu'il a parlé de lui dans ton direct. Demain, on va aussi venir écouter son histoire. Parce que c'est comme ça que vous vivez, c'est vos vies. Et c'est vous là que les gens vénèrent. C'est vous qu'on montre comme la diaspora. Quand on parle de la diaspora, Michel Essomba, Madame Atangana, Monsieur Ceci, c'est vous la diaspora. Les nous comme ça, on est naughty. Ben oui, c'est vous la diaspora. Ben oui, c'est vous la vraie diaspora. Parce que c'est ceux qui ont pris. On ne veut plus voir ça. Bonjour, ma copine. Bonjour, ma co. Hey, je vais dans les toilettes avant de te parler. Oui, je dis que bonjour, Ekota. Bonjour. Maman, j'ai aimé le direct de ma tête. Et je dis encore, ma tête, merci. Merci parce que tu es loyal. C'est-à-dire que tu as fait ce qu'on appelle être une mère. Elle a fermé la bouche. Oui, elle a fermé la bouche. C'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'on appelle être une mère. Parce que prenons l'exemple, même quand on dit que ton enfant a tué, tu as déjà vu une mère qu'on a accusé que l'enfant a tué, que la mère ne supporte pas son enfant. Mmh. Le papa rendre visite à son enfant en prison, c'est ce que ma pépé a fait. Bravo, ma pépé. Mmh. Mais on ne dit pas qu'elle est sainte. Mais de ta part, oui, tu es une femme. Tu es une mère. Oui, tu es une mère. Tu as bien fait. Ta sortie, hein, j'ai aimé. Même comme les gens coupaient ton truc là. Mmh. Tu as dit ce qu'il fallait dire. Tu es digne d'être une maman. Tu es digne. Tu n'es pas là seulement pour parler avec la bouche. Ça se voit sur ton visage. Tu es une femme rayonnante. Et là, je t'aime. J'ai toujours dit que je t'aime. Ma pépé, reste comme tu es là. Laisse Michel et Somba qu'elle aille se rallier avec les ténébreux là. Mais toi, tu restes sur ta ligne de conduite que c'est ta fille et tu dois défendre ta fille pour te valoir. C'est comme ça. Tu vas défendre ta fille. Tu vas la supporter. Et c'est comme ça, être une mère. Ce n'est pas avec la bouche. Tu ne parles pas avec la bouche. Tu la supportes. T'as sorti. Non. Ma pépé, chapeau. Elle n'a que fait ça, maman. Oui. C'est pour ça que les gens pensent que Pépé, tu vis que dans la poche, dans le mari de Nicole Minier. Cette fille-là, pourtant, c'est faux. Pépé, c'est loyal. Pépé, tu sais, elle est loyale. Elle a encore montré aux yeux du monde qu'elle est loyale. Ce qu'on attendait de. Les gens-là n'ont pas été elle est venue faire direct avec plein de sagesse. Exactement. Hier, j'ai lavé ce garçon. Je ne sais pas si vous voyez mes commentaires. Parce que lui, je dis que moi, ce monsieur-là, je ne l'ai pas. Parce que je dis que, mais un monsieur comme ça, le gars est en train de pleurer, Michel. Ah, ça se voyait. Il est en train de pleurer. Il y a ceci qui est là depuis. Laisse-moi parler un peu un mot. Bonjour, ma belle. Oh, il y a quelqu'un. Oui, d'accord. Oui, bonjour, ma belle Sandola Mignon d'or. Oui, ma belle, ça va. Bon, oui, bonjour, attends. Moi, excusez-moi, tu sais que chez nous, les étonnes. Je suis ta belle, c'est parce que mon époux est Douala, mais moi, je suis étonne 100%. Oui. Et tu sais que de chez nous, les étonnes, nous, on n'est pas hypocrites. Moi, excuse-moi, je sais que tu ne vas pas accepter. Laisse que je m'exprime même 2 minutes. Je t'ai expliqué ce que l'autre attend avant que tu parles. J'ai bien dit,
dans le direct de Nicole, où quand tu es venu parler de Michel, je n'ai pas voulu. C'est parce que l'histoire, je ne voulais pas... J'ai compris, oui. Oui, j'ai compris, ma belle sœur. Tu donner la chicotte. Oui, j'ai compris, ma belle sœur. Elle est partie parler dans les ténèbres. Donc là, maintenant, moi-même, c'est mon deuxième direct, non? C'est mon deuxième direct, non? Donc tu es libre de dire tout ce que tu veux. Oui, c'est ma grand pépé qui est devant. Je lui devais. Ma belle sœur, moi, je ne serai pas, je suis pas d'accord avec maman, avec maman Pépé. Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que quand il y a quelque chose, il faut dire les vérités. Et quand on suit, comme je t'ai dit que je suis maman Pépé depuis 2012, et tu vois que, quand tu vois que la team TK s'était séparée, c'était d'abord le problème de Lolo, la TK s'était séparée. Oui. Maintenant, quand il y a un culé, maman Pépé doit d'abord avoir le tact pour venir parler. Parce que nous, on n'est pas les enfants de fous ou de bêtes pour venir pleurer quand elle pleure. Pour venir là, se lamenter quand on insulte. Ça fait mal quand on insulte. Ça fait mal. Dis que Michel, machin. Non. Tu ne peux pas dire que. Même la Bible dit que si tu vois que le bras, si une pierre de fou, tu coupes ce bras, tu jettes. Michel, ça ne peut pas venir tout le temps faire ça. Et maman Pépé dit que c'est ça. C'est une fille de quoi? Même moi, je suis mère de 4 enfants. Si ma fille fuck up, je dirais à ma fille, tu as fuck up. Tu ne viens pas. Si ma fille va voler. Mais elle a dit. Non. Maman elle dit, quand elle vient dire que, elle ne peut pas traverser le sang de Nicole. De Michel, ça veut dire quoi? Que nous qui allons supporter, elle doit traverser donc ça? Parce que on est les inconnus? Maman Pépé me dit qu'elle ne va pas donner Michel en sacrifice. Oui. Et je suis sûr qu'en interne, selon nous, la sagesse voudrait que maman Pépé ne devait même pas s'estimer sur ce problème, elle devait laisser ça comme ça. Parce qu'elle elle va heurter beaucoup de personnes. Moi, je te dis, en tant que. J'ai 48 ans. Non. Oui. Moi, elle ne m'a pas heurté. Non, moi, c'est vous, non. Attends, la façon que vous parlez, c'est pas la même façon que moi, je vois les choses. Moi, une comme moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne supporte plus Perpétue parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Ma chérie. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas l'hypocrisie. C'est que Perpétue m'a l'air mal fait. Elle a très mal fait. Et moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne la supporte plus. Parce que c'est comme si. C'est pas grave. Oui, je m'en fous. Ce n'est pas bien du tout ce qu'elle a fait. Sa sortie était très mauvaise sortie. Non, c'est ça. Quand vous aimez quelqu'un, dites-nous les vérités. Mais tu m'as dit la vérité, ça peut plus tenir. Il ne faut pas encourager pour encourager. Non. Dites des vérités aux gens qu'on aime. Il faut dire des vérités. Parce qu'après ça, nous, on ne dort pas après. On supporte une personne qui vient dire que machin. C'est ça que les gens la clé de Mandiane. Parce que elle ne prend pas sa place. Je suis désolé. Moi, ça fait 2012. Elle m'a perdu. Elle a perdu. Elle m'a perdu beaucoup de gens. Je suis désolé. Attends un peu, c'est pas grave. Attends. Donc, tu supportais Perpétue pour les Nicole et Soumba. Ça veut dire que tu ne supportais pas Perpétue. Attends, je vais t'expliquer ma belle sœur. Non, je vais t'expliquer une chose. Ce n'est pas pour Michel seulement, mais maman Perpétue, elle n'a pas été loyale sur ce coup. Je vous dis la vérité. Elle dit qu'elle parle. C'est le même genre. Elle ne peut pas pardonner. Elle ne serait plus à accepter Michel. Parce que elle avait Michel pour de l'argent. Je suis désolé de vous dire. J'ai bien suivi son direct. J'ai suivi son direct. Elle a dit que Michel n'a jamais été sa copine. Non, ça veut dire que tu es une détractrice de ma Je suis ma copine depuis 2012. Je suis ma copine qui a demandé que je sorte de mon. Je ne suis pas détractrice.
Mais c'est que vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Je dis que tu es une dictatrice, ma chérie. Elle devait rester neutre. Elle devait rester neutre. Elle devait pas se prononcer. Elle devait rester neutre. Vous encouragez le sang. Elle devait rester neutre. Ce n'est pas bien du tout. Tu devais rester neutre. Oui. C'est quoi? Michel, tu vas tout le temps me coucher sur notre chat. Non, souffre de rien. C'est quoi? Je suis prononcé. Elle change pourquoi? Je sais prononcer. Elle ne se prononce pas. Elle ne se prononce pas. Pourquoi elle ne va pas se prononcer? Donc on va accuser son enfant, elle va rester comme ça. Elle ne dit rien. Non, elle ne dit rien. Vous êtes comme ça, vous êtes méchant. Ça veut dire que votre père est noir. Oui, ça veut dire que votre père est noir. Mais je dis comme le caillou. Votre père est noir comme le charbon. Elle n'a pas tort. Elle a rien fait. Moi, non. À partir d'aujourd'hui, il m'en faut une place. Vous comprenez qu'un gars là, je m'en fous. Je l'en fais. Toi-même, tu n'aimes pas ma faux. Toi-même, tu n'aimes pas ma faux. Tu viens insulter les gens aussi là. La personne qui n'aime pas Pépé, tu pars. Dis donc. Maman Lily, attends, je vais recadrer le direct. Mais je vous préviens. Complémentaire. Vous insultez les gens n'importe comment. Donnez-moi un million de pardon. Je vais parler. Oui. Je vous préviens. Je vais préparer. Je vais parler. C'est même quoi ça fait. Vous me connaissez. C'est même quoi. Vous pensez que compression, vous pensez que compression, c'est votre chienne. Elle n'a pas son mot à dire. Voilà. Elle n'a pas son mot à dire. C'est quoi cette histoire? Elle est mangée. Elle n'a pas son mot à dire. Moi, je ne vois pas les followers. Je ne suis pas blogueuse. Je passe mon message. Je laisse mon message. Je ne suis pas là pour la haine. C'est quoi ça? Chez le morguer l'autre jour, on a dit qu'on m'a cherché chez Nicole parce que je mettais l'eau dans le vin. Elle n'a pas son mot à dire. Elle dit que Michel et son mari n'ont jamais été sa copine. Et ce n'est pas sa copine. Ce n'est pas sa copine. Elle est libre de parler. Ça sortit, ça sortit avec sa copine. C'est quoi cette histoire? Vous n'avez jamais été de la TKC. Vous n'avez jamais été de la TKC. Les gens qui sont dans la TKC depuis le début ne peuvent pas tirer sur la balle réelle par rapport à sa sortie. Elle devait être neutre. Donc ça veut dire qu'elle devait fermer sa bouche. Elle devait fermer sa bouche, mais c'est qu'on l'insulte de gauche à droite. Bonjour. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi quand c'est une histoire de compression, il faut toujours qu'on l'insulte? Je ne fais plus partie de la TKC. Je ne fais plus partie de ceci. Je ne fais plus partie de ceci. Attends, elle finit. C'est quoi cette histoire de compression? Elle a dit que Michel et son mari n'a jamais été ma copine. Elle a commencé à défendre Michel Essomba. Depuis le début, elle a dit Michel Essomba n'a jamais été ma copine. Elle dit qu'elle n'a pas de problème avec Anne Ocellé. Elle a répété dans son direct que je n'ai pas de problème avec Anne Ocellé. Mon problème, c'est parce que Anne Ocellé est en train de se rallier avec son ennemi de Rouen. Exactement. C'est ce qu'elle est en train de dire. Parce que Anne Ocellé habite à Rouen. L'ex du gars de compression habite à Rouen et aucune femme ne peut accepter ça. Aucune femme sur terre ne peut accepter ça. Tu ne peux pas être ma copine, tu vas avec mes gens qui m'insultent. Sa sortie a fait que donc elle devait rester muet. C'est le mougou, c'est la chienne, on doit la tirer comme on veut. Elle doit fermer sa bouche, elle ne doit pas dire son mot. Parce qu'elle va perdre les abonnés. Même si on reste deux, on va rester deux. Foutez-nous le camp avec ça. C'est ça qui est ça. C'est les bagouas, ça. Mais c'est pas possible. Foutez-nous le camp avec tout ça. Moi, je suis dépassé à vie. Je ne change pas d'équipe. Je ne suis pas bipolaire. Je ne change pas d'équipe. Foutez le camp avec ça. Même si elle reste seule. Donc, elle ne va pas dire son mot. Non. Perpétue, même toi, je dirais tout à l'heure, je vais parler un peu. Même Flo a fait le direct tout à l'heure. Et elle a soutenu la sortie de Perpétue. Et moi, je soutiens encore plus la sortie de Perpétue. Okay. Perpétue, elle s'est comportée comme je voulais. C'est comme si je parlais avec elle avant. Merde. C'est les bacs, ça. Moi, je ne suis pas amie avec Michel Essomba. Je ne la connais pas. Je la vois seulement dans les soirées. Quand c'est pas avant là. Ou bien quand elle va dans les soirées. Donc, moi, je peux lui dire ce que je pense en dosant un peu dans le respect.
qui n'est pas mendiante dans cette toile. Qui n'est pas mendiante dans cette toile. On attend ce que elle dit pour que c'est la sauce là qu'on les condiments là qu'on va cuisiner Michel et Somba. Mais, et elle a dit qu'elle ne essayait pas de cuisiner dans la cuisine. Vous exagérez. Vous êtes dans la tête. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne soutiens plus Pépé. On va rester même deux. C'est quoi? C'est quel chantage d'abonner ça? Bonjour. Tout le monde est mendiante dans Pépé. On a le nom de Google. C'est Chloé. Bonjour. Chloé parle. Bonjour à tous. Franchement, je suis un peu choquée. Tout le monde, je pense que tout le monde ici, personne ne perd la connexion de personne. Et Maman Pépé est libre de faire court. Tout ce qu'elle veut. Personne ne donne l'ordre à Maman Perpé, ni à qui que ce soit. Si Maman Perpé est venue parler, on peut gronder l'enfant derrière. Mais je ne peux pas voir mon enfant en train de bagarrer avec une copine. Je viens, je commence à gronder mon enfant, mais l'enfant va pleurer devant sa copine. Je dois protéger d'abord, je dois d'abord mettre la paix devant, et je rentre à la maison, je commence à tirer les oreilles de mon enfant. Mais vous, l'autre qui vient là, commence à insulter, moi je suis putain, casse maman. Je dis bien, beaucoup sont partis de la tête cassée. Même si nous sommes trois, on va combattre. Et on va rester là maintenant. Qui a mis le poste là, elle a mis la vidéo de ma pépé. Il y a les injures là-bas. Mais quand c'est l'autre qui faut qu'on ne met pas sa vidéo, hein, on vous voit venir. On vous voit venir. Je suis cassé à vie. Je suis cassé à vie. Attendez. Tout le monde est focus ici, là on ne met pas la vidéo qu'on insulte. Attendez, Chloé, attends. S'il te plaît. Moi, la manipulation des faux profils, là, je ne l'ai pas. Flore et Compressor, c'est une place. Et Flore ne dirige pas Compressor, Compressor ne dirige pas Flore. Exactement. Flore ne dirige pas ses abonnés ne la dirigent pas. Les abonnés de Perpétue ne la dirige pas non plus. Et elle ne dirige pas ses abonnés. C'est pour vous montrer, quand je vous dis que ma Kota Lili, Facebook, si. Facebook, si. Je te dis manipulation, plus. Tu donnes ta vie aux abonnés, si. Hein, tu vas vendre ton âme au diable. Je suis Perpétue à vie, même si on reste deux. Laissez Flore et Compressor. Si vous parlez, parlez du sujet. Ne faites plus la comparaison que l'autre. Non, c'est pas bon. Non, moi, je n'ai pas prononcé le nom. Non, même si tu ne prononces pas, il y a les gens aussi qui ont compris comme moi. Flore a fait le direct tout à l'heure. Elle a soutenu le direct de sa copine. Bien sûr. Et tu penses que les gens qui signalaient Compressor, ce n'était pas seulement les autres personnes. Hein. Il y avait même les TKC là-bas qui ne voulaient pas que Compressor parle parce qu'ils étaient pas d'accord. Ben oui. On doit respecter. Chacun avait sa façon de parler. Et ce non, je vois souvent, hein. Très bien parlé. Mais je vois souvent, moi, si Compressor livrait Michel Somba en peinture. Moi-même, je devais me gâter avec elle. Je devais me manteler pour me gâter avec elle. Elle a dit les mots qu'il fallait. Oui. Et on a bien compris. Les gens qui attendent toujours la haine là, peut-être qu'ils n'ont pas compris les paroles parce qu'elle n'a pas dit feu sur elle. Mais elle, on sentait qu'elle a tapé, elle est en train de taper l'enfant derrière. On dit que tu tapes, tu fais des caresses. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est ça. Je demande, est-ce qu'il y a même mort d'homme? Est-ce qu'il y a mort d'homme pour que les gens haïssent les gens comme ça? Pourquoi cette haine sur Facebook? Va dans ta famille, va te fâcher dans ta famille. C'est tout que ça joue, tu viens mettre les organes sur ça. Juste à dire qu'il y a mort d'homme. Donc, Michel, je vous laisse. Est-ce que Compressor est morte? Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Mais pourquoi toujours attiser la haine? Mais mes chères soeurs, la haine n'est pas bien. Elles sont, c'est les grandes filles. Vous verrez les Compressor. Elle a le sang du maquereau, Compressor. Tout le monde a fait sur Facebook là. Arrêtez ça. Mais Compressor est venu dire publiquement. Et sa jeune qui ne lui donnait plus à manger. Mais c'est quoi ça même? Comme ça, dis donc. Chloé, la femme. Et ça fait quoi? Chloé. Ne lui donnait plus à manger. Chloé. Bande de chibac. C'est la sorcellerie là.
chaque fois qu'elle peut faire une sortie, on trouve toujours qu'elle a mal fait. Elle est toujours elle n'a jamais fait de sortie. Elle n'a jamais fait de sortie là où on dit qu'elle a bien fait. On est toujours celle qu'on met toujours la peinture sur son visage. Mal bouche que les autres. Arrêtez ça. Chloé. Oui. Allô, excusez-moi, ne mets pas trop d'organes, s'il te plaît. Ndolé Nyondo, merci pour ton direct. C'est juste pour dire, la dame qui a appelé tout à l'heure, ce n'est pas Flore qui l'a envoyé. C'est pas Flore qui l'a envoyé. Elle parle pour elle-même. Si elle n'a qu'à quitter, elle n'a qu'à quitter. Parce que Flore avait dit que... Flore de Lille avait dit, la TKC et les abeilles, c'est une place. Il y a beaucoup des abeilles qui disent qu'elles sont comme ça. Ma chérie, on ne gère pas ça. Les abeilles sont aussi libres. Flore dit tous les jours que prenez ça, t'appelles du calme. Vous ne comprenez pas quoi. Voilà. Le problème, c'est que la sortie de Maman Perpé, moi, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que si Maman Perpé fusillait Michel et Somba, ça devait commencer à applaudir. Maman Perpé est sortie en grande dame. Et elle a bien parlé. Moi, j'ai aimé. Je lui ai même la tarde. Depuis la journée, depuis la tarde, même elle dort bien. Il attend même qu'elle vienne écouter depuis là qu'elle attend. J'ai beaucoup aimé la sortie de Maman Perpé. Ça prouve que Maman Perpé défend Michel et Somba depuis des années. On ne trahit pas ses amis. Ça veut dire que Perpé est une femme royale. Oh, vous parlez. Je suis TK sa vie. Je ne quitte pas. Même si on met ce tour. Moi, je suis TK sa vie. Vous voulez même la famille. Je devais dire que non, la mère. Voilà. Beaucoup de gens, surtout les Kenyans, Michel, je ne l'apprécie pas non plus. Parce que Pepetu ne veut pas être tous les jours en train de tourner de même bagarre tous les jours à cause de Michel et Somba. À cause de Michel. Michel Somba, c'est un enfant. J'ai tiré sur elle, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Perpétue a voulu juste montrer à Michel le Somba que Perpétue, c'est une grande dame. Elle ne peut pas la saboter. C'est même quoi ça? Pour appeler que c'est Perpétue qui vient porter son fardeau, même Jésus l'a mort depuis, on attend, on ne trouve pas où il est. Je te dis, ma mère, depuis on attend, on est assis par terre. Mamiendo, je pense que cette fois-ci, elle va comprendre. Mais si elle le comprend, parce que là où elle va trouver le problème. Là où elle reste même seule. Que si elle essaie de trahir Perpétue, Michel Somba, si tu essaies de trahir Perpétue, je transforme mon Facebook en page. Voilà les hommes. Je vais me ranger sur toi comme Baba a signé sur ma info. Voilà. C'est clair. Tu t'es cassé à vie. Il ne part pas de là. Non, mais c'est même ça. Si c'est mon client qui va m'enlever de là. Ça sert à rien, tout ça là. Okay. Maman ne peut pas faire sa sortie. Pour ceux qui disent que, oh, je suis pété, cassé, je ne suis pas, te... maman, pas. Je supporte ma peau depuis 2012. Si tu viens partir maintenant en 2023, ça veut dire que tu n'as jamais été. Même ma peau, ils vont dire ça pour ma foi alors. Parce que même ma foi, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle ne fait pas ce que vous, les abonnés, vous dites qu'elle fasse. Voilà. C'est ça. Tu vois même que la réconciliation entre Maman Perpé et Flore de Lille, chacun a perdu des abonnés d'un autre côté. C'est quoi? Je pense que la sortie de Maman Perpé a fermé la bouche de Tonodio. Parce que c'est ça que j'attendais, que Maman Perpé ne va pas se soutenir. Comme j'étais dans le direct là,
Même si je parle pour une personne, je ne parle pas de la personne pour le crucifier. Non. Même quand je crie sur Michel, là, je ne laisserai jamais qu'on vienne étaler son reste qui reste là dehors ici. Non. Je dose un peu. Parce que vous, vous n'aimez pas qu'on dose. Vous aimez quand, comme Antoine Feyer, c'est ce que vous aimez. Dit, c'est ce qu'il nous dit. Il a même refait le poste. Il a refait le poste qui va faire l'article 2. On attend l'article 2. C'est pour lui là-bas. C'est pour lui là-bas. Il est en train de se suer lui-même. Il n'a pas honte. Un homme qui accompagne sa femme à se prostituer, il vient nous dire quoi là. Vraiment, je suis dépassé. Je sais que le monde même est devenu comme. Je suis dépassé. Les hommes sont devenus comme des animaux. Michel là, on parlait de Michel parce que Michel même n'a pas eu de la chance de tomber sur les bons gars. Elle est toujours tombée sur les bandits qui viennent seulement l'exploiter. Vraiment de Dieu, je ne sais pas. Moi, ça me dépasse. Mais oui. Tu penses que quoi? Que Michel n'a pas aussi le cœur? Un homme qui accompagne sa femme aller se prostituer et vient s'asseoir sur la toile pour parler. Comme elle aussi, elle aime le matu vu. C'est pour ça qu'elle tombe toujours dans les pièges là. Parce que même Nicole, Michel aussi n'est pas facile. C'est ça aussi. 50 pour 50 direct. Même si on reste dans le TKC, c'est 22. On va rester là. La honte pour lui-même en commençant. C'est lui-même la honte. C'est lui le protéinette là, vrai. Il veut raconter quoi aux gens? Jusqu'à il voulait vendre Michel à crédit et se blâcher que mon frère, tu t'es bien écouté, tu as entendu ce que tu as dit, hein? Tu viens nous dire que quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour sortir Michel de là? Quand toi tu demandes l'argent à Paul, tu peux pas aller travailler, les taxis sont finis en France. Tu n'as pas dit que tu es ambulancier avec tout le travail qui est ici, les gens qui tombent tous les jours. Tu sais combien d'heures on attend en ambulance qu'on appelle les SAMU? Il y a le travail. Va travailler. Arrêtez de venir pomper les gens sur Meta. Venir activer les feux. Et comme il y a aussi les mamies qui ont ça partout et ceux qui s'attendent seulement que ça brûle pour venir. C'est pas possible ça. Il fallait que Compressor livre Michel Essomba chez le Ténébreux. Le Ténébreux, là, même Michel Essomba a lu l'heure là-bas le jour qu'elle est partie là-bas. Et c'est ce que j'ai dit dans mon direct, que elle est un direct organisé, de ne pas aller là-bas par hasard. Elle s'est préparée avec le Ténébreux. Maman Prépétue est venue confirmer ça. Elle pensait que le fils allait la caresser de sens de poids. Même si le fils a te dit quoi au noir, Michel Essomba. Les filles vont te faire du mal rien que pour atteindre le compresseur. Il faut être sage. Comment vous voulez qu'on vous parle? On vous explique les choses comment, à Bambana. Ou on vous explique comment les filles, sinon. Même si ce n'est pas pour toi, même si toi, tu t'aimes plus que tout, mais ils vont te salir. Ils vont te faire du mal parce qu'ils veulent toucher le compresseur. Vous n'avez pas compris quoi dans la vie? On doit tout vous mettre ça en dessin. On vous explique ça comment. Là où Nadège Mbappa est là, si elle voit le poison de compresseur, elle va prendre ça. Et tout le monde sait ici que tu es le totem de compresseur. Tu crois qu'elle va venir te dire que quoi? Elle va t'aimer plus que compresseur. Tu vas là-bas, tu appelles même Coco. Coco, aujourd'hui, on sait que Nadège Mbappa a pris Coco en avion. C'est pour tuer Flore et compresseur. Tu vas t'allier là-bas. Tu as même les numéros. Comme par hasard, appelle-moi. Michel, appelle-moi. Tu as eu son numéro, mais tu ne les as jamais vus. Michel, il y a qui derrière le Congossa de Facebook? Laisse Prépétue aussi souffler un peu. Elle est petite, ce n'est pas toi seul qui elle ne doit pas te gérer toute ta vie. À un moment donné, il faut arrêter. Composé aussi est fatigué. De te défendre, c'est à cause de toi, 90% de tous les problèmes de compresseur, c'est à cause de toi, Dameta. C'est toi, même si c'est que tu l'as payé, l'argent là n'est pas encore fini. L'argent là n'est pas encore fini, Michel. Arrête, on va vous parler.
allez, vous vous prenez comme des grandes femmes quand les doigts peuvent vous parler. Vous venez remplir votre salité. Si je j'étais déjà vu un jour, en dehors, j'étais croisé dans les soirées, là, dans une, même chez quelqu'un, chez un ami, même dans la famille un jour. Non. Parce qu'on ne fréquente pas les mêmes gens. On ne fréquente pas les mêmes milieux. Tu m'as sauvé mon petit frère qui traîne avec toi là-bas à Paris, qui s'appelle Patou. C'est mon petit frère. Mais ce n'est pas mon ami. Je ne mange pas avec lui. On peut se rencontrer dans la famille. Mais quand il va te voir, il va te voir dehors, je suis pas avec lui. Mais c'est quoi ça même? Les vieilles femmes comme vous, on parle de Michel depuis le temps tôt, mais aujourd'hui, elle a 32 ans. On la manipule. Elle est devenue un enfant. Tous les jours, les mêmes choses. Et puis j'ai appelé Tata Lolo, et puis Tata Lolo m'a dit que laisse, je ne parle pas, je gère. Et puis quand j'ai vu Nadège Mbapa, j'ai donné de l'eau à Nadège Mbapa, elle m'a dit que non, ne parle pas, je gère. Et puis Coco a dit que Wakatologo, le tonton Bacho, et puis il a dit que j'ai perdu mon père. Et puis j'ai dit que non, ce n'est pas, je ne suis pas Yaoundé. Il a dit que non, je gère. Et puis, tu connais notre père qui est à Rouen, après Rouen, je m'appelle Pépé là, oui. Ah, oui, le tonton là. Et puis le tonton là a dit que il a acheté des bonbons. C'est quoi ça? Les vieilles femmes comme vous. Je te dis l'autre jour d'accoucher un enfant, tu t'occupes de l'enfant. C'est trop. C'est trop ça. On peut parler des vieilles femmes comme ça tous les jours, tout autant. Marco. Non, pas lui. Personne qui vient incriminer ma tête. Vous êtes lié de la famille et de la société. Ce n'est pas un qui a allumé qui vous a fait créer votre Facebook. Ce n'est pas vous qui l'avez demandé de venir sur Facebook. C'est-à-dire que les personnes qui ont des. Ça parle pas bien, Marco. Ça parle pas bien, c'est toi. On sent. Ça bête un peu. Oui, ça va. Non, vous m'entendez. Ça bête. Tu m'entends là? Mmh. Ça bête. Attends, tu m'entends là? Oui, tu m'entends ou pas? Oui, j'étais en train de dire que les deux personnes qui sont entrées pour incriminer ma pépé, ce sont des haineux. Elles sont haineuses. D'accord, tu vas me donner les deux. Celle qui a dit que oui, celle qui a dit que ma faut une place là, tu n'es pas abeille. Parce que les abeilles ne sont pas haineuses. Les vraies abeilles ne sont pas haineuses. Toi qui es venu parler là, et dit que, Ngrengala, toi, tu n'es pas abeille. Tu es une haineuse. Donc, tu n'as pas à venir parler au nom des abeilles. Et celle qui a dit qu'elle n'est plus te casser, tu n'as qu'à partir, mamie. Parce que ma pépé, ne t'a pas obligé d'allumer ton Facebook pour la soutenir. Elle ne t'avait pas obligé. Donc, tu es libre de partir. Donc, une de perdue dit de te retrouver. Même celle qui a dit, oh, ma chaîne, je suis Mafo, une place. Tu n'aimes pas Mafo. Toi qui as parlé là, que Mafo, une place, tu ne l'aimes pas. Tu es haineuse. Ça fait C'est parce que les abeilles ne sont pas haineux. Les abeilles ne sont pas haineux. Et quand tu dis que tu supportes quelqu'un, tu supportes. C'est-à-dire que ma pépé, je dis encore, oui. Aïe, parce que ta sortie était digne du maire. Si vous avez bien, pour ceux qui suivent ma pépé, la dernière fois elle est sortie, elle a dit quoi? Que la personne que vous voyez, elle parlait de Michel Somba. Que quand elle était malade, elle n'est même pas venue. Mais Anne-Estelle était là. Mais Anne-Estelle, aujourd'hui,
Elle a dit, Anne Ocelleté, là, vous voyez, vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez, je dis, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous voulez que ma pépé fasse? Qu'elle vienne se mettre en spectacle comme les gamines? Elle a eu la posture digne du maire, digne. Elle a tapé sur Michel Essouba en inbox. Elle est venue, elle a dit qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas allumer sa caméra. Elle vous a dit quoi? Elle a dit quoi? Que vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais moi, je dis ce que je veux. Voilà. Elle a raison. Mais pour elle, et c'est effectivement, mais pour elle, regardez, quand on accuse même quelqu'un qui a tué, il y a les gens de la famille qui viennent là, ouais, oui, il a tué, mais qu'est-ce que la maman fait? La maman est là comme ça. Elle observe comment on incrimine son enfant, mais elle ne peut pas venir là dire que tu as tué, je t'abandonne. Non! Mais les autres membres de la famille incriminent l'enfant, mais la maman ne peut rien faire. La maman ne peut pas dire, fermez vos bouches, vous voyez la réalité, dites ce que vous voulez, mais n'incriminez pas ma bébé. Elle ne peut pas faire ce monsieur, que vous avez voulu qu'elle fasse. Je me suis enseigné. Le direct de la famille. Mais attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait la direct de la famille. Attends, je finis parce que je vais partir, je vais travailler. Je suis au travail. Moi, je voulais dire que ceux qui disent que ma pépé supporte Michel parce que Michel lui donne, vous n'avez rien compris de la vie, en fait. Vous n'avez rien compris de la loyauté. Vous n'avez rien compris. Parce que si vous avez compris ce que c'est que la loyauté, vous ne pouviez pas dire ça de ma pépé. Parce que elle est sortie, elle a dit, je pense au bon moment que nous avons vécu ensemble. Et pourquoi ma pépé sort? Parce que ce monsieur est sorti. Si ce monsieur ne sortait pas, ma pépé ne sortait pas. Ma pépé a vu là où le problème était en train de partir. C'est pour ça qu'elle est sortie. Elle a dit que non, je ne peux pas accepter ça. Qu'on fasse ça de Michel à ma présence. Même si Michel, elle veut faire, c'est son problème. Mais venant d'elle, non. Ça, c'est le... Et elle a raison. Pour ceux qui sont un peu fuités, pour ceux qui sont un peu fuités, devaient comprendre que ma pépé, sa sortie est géniale. Elle a été vraiment super. Moi, j'ai aimé. Donc, pour ceux qui disent que ouais, elles ne sont plutôt qu'à se dégager, partez. Purée, partez. Celle qui dit, oh, ma faut une place, tu n'es pas abeille. Tu n'es pas. Tu n'es que. Justement, pour ma part, pour tenir la sortie de ma pépé. Heureusement. Mais attends. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes là pour la paix et puis que il y a quelqu'un d'allié qui est là, qui a des problèmes. Au lieu qu'on resserre les rangs, elle est ceci. Celle qui parle là que oh, je suis plus ma chérie, j'ai toujours fait ceci. Si tu veux ma chérie, elle ne t'a jamais attaché le pied. Peut-être ne te connaît même pas. Donc dégage, purée, partez, laissez-la. Ma pépé, c'est une femme loyale. Et elle, Michel Essouba, tant pis pour elle, si elle passe à lier. Mais venant de ma pépé, elle ne fera pas ça. Elle ne fera pas ce que vous attendez là, c'est tout. Celui de Atanganala, hier, je l'ai lavé dans ce direct là parce que je disais que, mais quel est cet homme? Il pleure les finances. Ce monsieur pleure les finances. Parce que s'il ne pleurait pas les finances, quand Michel a eu ce monsieur Paul là. Pourquoi il est parti voir monsieur Paul par derrière pour dire que il est le mari à Michel? Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce qu'il voulait escroquer ce monsieur. Il voulait escroquer ce monsieur. Donc, il a tapé dos à Michel. Il a tapé dos à Michel pour que tout se passe que dans son compte. Mais est-ce que vous êtes qui? Vous ne pouvez pas comprendre cette histoire. Mais ce n'est pas un homme là qui est venu parler. Il est en train de pleurer les finances. Il est en train de pleurer les finances. Un monsieur qui avait le RSA, mais foutait la paix avec cette histoire de RSA. Mais ce n'est pas possible.
Non, je ne connais pas ceci. Ça dit que si je m'assois pour décrypter le live du monsieur là, personne ne va l'aimer. Parce que c'est un manipulateur, un gigolo, regardez, un professionnel. Il était comme un ancien bagando. Un vrai possédant, un vrai. Ça dit que non. La diaspora non. Se lève jusqu'au comment, ciel. Comment? C'est les gens comme ça. Exactement. Comment ta femme dit que bon, voilà quelqu'un, voilà que j'ai rencontré, j'ai machin. Tu vois comment il commence à donner l'argent. Tu dis que, mais pourquoi tu ne lui as pas dit que je suis ton mari? Il passe par derrière, il part dire au monsieur. Le monsieur a commencé à virer l'argent dans son compte. Le monsieur a commencé à virer. Ce n'est pas l'escroquerie, ça. Ce n'est pas la manipulation, ça. Ce n'est pas un gigolo, ça. Ce n'est pas un pourcenet, ça. Il pense que être pourcenet, c'est quoi? Ou gigolo, c'est quoi? Il pense que c'est quoi? Il ne pouvait pas. Si c'était un homme normal, il ne pouvait pas aller voir ce monsieur Paul par derrière. Lui-même, il a dit. Il se vendait lui-même hier. C'est là où j'ai dit que ce monsieur n'est pas sain. Il vient, vous allez vous-même juger si je suis gigolo, si je suis porcelain. Tu l'es, mon ami, tu l'es. Ça dit que ça se voit à 1100, ça dit à 1 milliard de mètres. Ça se voit de kilomètres, ça se voit. Parce que tu n'es pas sérieux. Tout ce que tu racontais, comment ta femme veut partir, tu ouvres son sac, tu enlèves les téléphones, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu savais très bien ce qu'elle fait, mais tu voulais rester par derrière, contacter les gens avec qui elle traite, puisque tu as ouvert son téléphone, tu as pris tous les numéros, tu as contacté toutes ces personnes. Tu penses que tu as affaire à qui? Aux enfants? Quand tu venais parler, tu parlais aux enfants? Tu as ouvert son téléphone et tu as pris tous les coordonnées et tu as contacté ces personnes-là. Et ces personnes t'ont versé de l'argent. Un maître chanteur. Mako, pardon, je suis au travail là. Parce que l'heure là, à l'heure de direct, si ce n'est pas souvent génial pour moi, parce que je suis obligé de fuir pour aller aux toilettes. Ça dit que pour ceux qui supportent ma pépé, supportez-la jusqu'aux os et laissez les aînés partir parce que c'est des personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que la vie. Et ma pépé, big up à toi. Vas-y, merci beaucoup ma copine. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Depuis combien d'années ça dure? Depuis combien d'années? C'est Michel Somba qui nous a ramené dans le cœur de Facebook ici, qui a ouvert l'éclair de Facebook ici. Elle devait connaître comment ça marche. On ne devait pas encore parler d'elle aujourd'hui comme si c'était une nouvelle star. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Depuis les années, renvoie encore, j'ai envoyé ces parties, renvoie encore ta demande. Depuis les années que Pepetu supporte cette fille, depuis les années, non, tu devais au moins soulager un peu Pepetu, tu devais soulager un peu Pepetu. Mais là où c'est toi qui vas chez tout le monde, les gens qui détestent Pepetu, qui cherchent le poison de Pepetu. Non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes gens. Si on va dans YouTube, on va trouver les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses depuis les années, depuis 8 ans. Si on tape sur YouTube, les mêmes choses depuis 8 ans, depuis 9 ans. J'ai accepté, c'est en train de mouliner. Non, à un moment donné, stop. Tu devais connaître Facebook plus que tout le monde ici, Michel. Tu devais connaître Facebook plus que tout le monde.
Écoutez l'histoire à Bracatabra que son mari qu'elle a épousé est venu nous raconter. Attends, ah, ok, parle d'abord. Allô? Oui, ma parle. Oui, bonsoir. Oui, vas-y. Je vais juste un peu parler par rapport à. Je suis quand même un peu le direct depuis là, mais je vais juste préciser certains trucs parce que il y a une certaine Chloé qui a intervenu tout à l'heure et tout, et je voyais elle insistait beaucoup par rapport à la dame qui est venue insulter un peu insulter Compressor dans le direct. Donc, et je vois dans les écrits, on essaie de lui convaincre que en fait ce ne sont pas les vraies abeilles et que d'après ce que toi-même tu as dit là, qu'il y a des gens, quand la paix de Compressor et de Mafo, elles ont perdu beaucoup. Moi, je sais, parce que quand je vois les gens de Compressor, il n'y a plus les têtes cassées d'avant. Je vois là, il y a beaucoup de marques dans la tête cassée d'avant. Les abeilles. Je suis en train de dire que j'étais d'abord en train d'attaquer d'abord pour qu'on puisse avant d'aller chez Maf. Parce que les deux cas ont perdu. Ils ont perdu. Parce que moi, j'étais moi du côté de Flore, sans te mentir, de Maf, sans te mentir. Et je voyais la team de Compressor aussi à l'époque. C'était pas le ron, ron, ron. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Ils sont partis à cause de la SLP. Tout de même comme la team de Flore. Je comprends. Beaucoup sont partis. Parce que quand les abeilles étaient les abeilles. Mais quand c'est que c'est. Vous dites quoi là? En 2 secondes, ils ont fermé ta page. En 3 secondes, ils ont sorti ton dossier. Oui, il n'y a même personne qui fait encore le direct chez Mafo. Pourtant, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait. Mais attends. Les casse-têtes dans le truc là, les directs à 2h du matin, les directs à ceci, à tout moment tu es là, tu es. Il n'y a plus à cause de cette paix. Donc elles arrêtent un peu de vouloir toujours que ça si les personnes des camps, les différents camps arrivent toujours de dire ah non, c'est que les gens de fond ne sont pas d'accord. Non, 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 non. Il y a des personnes qui sont là pour régler les comptes. Tu as compris un peu, non? C'est des personnes qui avaient un problème personnel avec contre Flore. Il y avait des problèmes personnels contre toi. Ils sont entrés dans la team de TKC pour soutenir Compressor juste parce qu'elle était en clash avec eux. Tu comprends un peu? Et aujourd'hui, tel cas, on fait la paix avec ça, les énerve. Ça les énerve. Ils sont en train de faire que la paix ne règne pas. Bravo. Tu comprends? La paix ne règne pas et qu'ils continuent à se clasher. Ça les fait du bien. C'est vice versa. Quand je suis au milieu des deux, là, je ne veux pas que quelqu'un ne me manipule pas. Non, je vais te dire, il y a les gens dans la team de Mafo qui sont partis aujourd'hui chez Lolo là-bas. Même les gens de Compressor qui sont dans la team de Lolo à cause de cette paix-là. Tu as compris, non? Les gens de Mafo, que moi, on était avec en combat, dans la toile là-bas, ils sont là-bas chez même ceux de Compressor qui me voient, ils disent, mais attends, mais ils sont aujourd'hui, ils préfèrent. Et c'est des personnes, vous savez, c'est des personnes qui avaient des problèmes personnels. Exactement. Et ils doutaient que ces deux dames-là étaient en train de se clasher pour motiver. Exactement. Alors qu'ils se cassent. Elles ne viennent pas là-bas commencer à dire que oui, telle a dit que les abeilles de Mafo ne supportent pas Compressor. La TKC ne supporte pas Mafo. Jamais. Ceux qui font ça, c'est des gens qui ont des problèmes personnels avec ces dames-là. Et ils doivent aller régler leurs problèmes. Alors qu'ils laissent ces deux-là en paix. Parce que je vais encore rappeler à cette Chloé qui est là. Chloé a une dame là, je crois que c'est peut-être toi, Dolène Yondo. C'était un jour, je crois, dans le direct de Nicole. Il y avait où c'était le direct de Nicole, lui. Elle est venue ce jour-là, cette là. Elle parlait tellement. Qui vient d'arriver dans le direct? Oui. Ça veut dire que tu viens d'arriver. C'est la dame là qui est venue parler, reparler, et Chloé est montée pour parler de ma pépé, les deux là. Voilà, aujourd'hui vous tous me donnez raison. Voilà. Merci. Il y a une dame là. Et la dame là, elle est du côté de Compressor. Et elle est venue vous là dans le direct de la Lyon. Elle était tellement contre ma faute et contre le paix que moi, mais je suis entrée dans le direct. C'est pas avec mon profil si, hein. C'est avec notre profil. Je suis entrée avec ce jour-là. Parce que mon profil a été bloqué. Je l'ai pris. Ouais. On s'est bien chargé. Je dis, mais non, arrête ça.
Elle était toujours en train de dire que elle ne croit pas à Flor. Elle ne croit pas à la paix de Flor parce que Flor, elle met tout le point d'interrogation. Il faut que tu détruis Flor. Pour les deux teams là. Oui, il faut que tu fasses. Pour les deux teams là. Il faut toujours mettre Flor toujours au point d'interrogation. J'ai dit que mais pourquoi tu trouves que c'est Flor qui peut trahir, comprendre, on ne peut pas aussi trahir. J'ai dit laisse la dame en paix. Je n'ai jamais été contre Mafo. J'adore Mafo jusqu'à demain. La personne qui parle mal à Mafo. Va me trouver sur son chemin. Maman, tu comprends. Flo, c'est qui, ma? Moi, c'est Chloé. Tu me comprends pas. Je suis en train de dire que Chloé, je l'ai suivi en train, quand tu es dans le direct, parce que je suis venu bien pour le direct, tu parlais d'une... Tu insistais qu'il y a une dame qui a parlé, qui a insulté Composition tout à l'heure et qu'on n'a rien dit. Parce que je vois aussi dans tes écrits, là. C'est où j'ai dit non, il faut que j'entre dans le direct pour te rappeler que, maman, regarde, les gens qui viennent faire ça, ce sont des personnes qui ont leurs problèmes personnels. Je sais. Je sais. Ne dis pas que c'est les abeilles. Certes, ils sont des abeilles, mais pas des vraies abeilles. Je sais. Personne, ça dit qu'on a fait Castelloja, qu'elle est venue soutenir Compressor parce qu'elle a un problème. Elle connaît Flor dans la vie réelle. Elle a un problème. Tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle vient faire sa marche. Justement, quand ils viennent faire ça, ne dites pas que c'est les abeilles. Non, non. C'est vrai. Tu as raison, maman. Mais moi, je soutiens Mafo. Je crois que c'était toi le jour là, tu disais que tu connais la femme là. Tu as essayé de la décrire qu'elle est quelque part en France là-bas, dans une zone. Elle a tremblé, ne parlait plus. Je crois que c'était toi. La personne lui a même parlé le Yaoundé. Je ne sais pas, un truc comme ça. Elle est restée comme ça, ça arrive. Tu as dit que tu vas sortir ton fil. Tu t'en souviens d'elle. Non, c'est pas Chloé. C'était pas moi. C'était pas moi. Non, c'était pas Chloé. On ne dit pas toi, Chloé. On parle d'accord. Les haineuses de Flor et Pepechi qui viennent profiter. Ah, d'accord. Mettre leur haine. D'accord. Ok. Elle attend de parler d'un direct passé. D'accord. Oui, un direct passé qui était dans le. C'était chez Nicole. La femme était tellement. Elle a Nicole ou la lionne, les deux. Oui, voilà, elle était rageuse. C'était entre la lionne et l'autre. Mmh. Elle était rageuse. Elle dit que j'étais obligée d'entrer dans le direct. Je lui ai dit non, laisse Compressor en paix. Mais elle oui. est bien là où elle est. Toi, ton truc, si tu as un problème particulier avec Flor, va gérer ton problème. On s'est chamaillé. Mais oui. Je lui ai dit que quand tu vois Flor, elle est heureuse. Moi, je veux la voir comme ça pour s'occuper de sa mère. Mmh. Je veux voir Compressor comme ça pour s'occuper de sa fille. C'est quoi avec vous la plainte? On s'est chamaillé. Merci que vous avez compris, les enfants. C'est ce que je voulais vous faire comprendre depuis. Mais vous ne me écoutez pas, vous dites souvent ce jour, je dis câble. Ah, la femme doit aller à la ménède, hein. Je vous ai dit, vous me lavez. Quand vous avez la vie de la marche, je n'ai pas jusqu'à le morgue, après ça, ils ont parlé de ça dans son église. La lédition que j'ai publiée là, elle a commencé à m'insulter aussi qu'elle est plus belle. Je dis que Adam, ma Facebook, on peut faire ça. Non, moi, sincèrement, non. Je vous dis que dans les faux profils, là, tous ne sont pas. Ils font semblant, mais il y a trop de faux dedans. C'est vrai. C'est pour comprendre. Le jour là, vous m'avez insulté. Oh, la femme de la fille. Il dit fais descendre de la mienne de bon. J'ai dit que, je suis heureusement que ma fille Nicole aussi a dit que je ne sens pas. C'est parce qu'il y en a toujours qui vient avec les problèmes qu'elle connaît Flor particulièrement. Elle attend un petit truc pour venir s'accrocher. Elle connaît Flor Composition. Elle attend un petit truc pour venir verser. Et si vous n'avez pas les oreilles pour entendre, vous entrez dans le PR. Moi, je suis maman Perpé, sincèrement. Mais depuis la paix avec la Mafo, j'aime la Mafo. Ça, rien à dire. Et je suis très contente de voir ces deux femmes-là rayonnantes. Mm-hmm. Et moi, j'avais toujours dit, les deux femmes-là, tous ceux qui étaient dans la TKC, qui combattaient Mafo, sont tous partis et continuent toujours aujourd'hui à combattre la Mafo. Et certains encore du côté de la Mafo sont toujours là. Je ne vais pas prononcer le gars là qui insulte maman Pépé. Tu vois, c'est des abeilles qui n'étaient pas contre qui étaient contre la paix, sont dans le direct du gars pour insulter maman Pépé. On voit tout ce qui se passe. Tu vois, non? Mais moi, sincèrement, les anciens abeilles,
on les connaît, les gens qui sont vraiment là pour Mafo. Ceux qui ont créé les nouveaux avec le visage de Mafo, je dis là, moi je dis seulement aux abeilles de faire attention. Mmh. Faites attention avec les nouveaux visages, parce qu'il y a beaucoup d'inclus aujourd'hui qui sont là pour aimer la zizanie. Donc, sincèrement, si vous êtes fâché contre la sortie de Maman Perpé, si vous ne voulez même plus, au lieu de commenter quelque chose de mal, on ne vous dicte pas. Hein. Non, 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 vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La paix du Seigneur. Voilà, Ma c'est simple. Vous partez sans taper la belée parce qu'on ne vous a pas appelé. Justement, en fait, et il faut aussi souvent savoir que ces histoires de paix ou de malade, de malentendu, de tout ça, ça c'est souvent selon le direct. Tu vas avoir même certaines personnes que la sortie de ma pépé les énerve aujourd'hui. Demain, quand ma pépé va venir faire un direct, ce sont elles qui vont soulever le direct là jusqu'à mettre. Ouais. Ils sont trop changeants. Mais quand je suis énervée, je prends mon calme. Je ne dis même pas un mot. Là, maman Miondo, c'est comme ça. Ma douleur, il y a une place. C'est ça. J'ai pas content. Mais tu vois que je fasse comment? Je laisse non que de venir baisser ma colère sur eux ici. Oui. C'est clair. Elles ne sont pas nos enfants, nous, nos petites soeurs, ce sont des mamans. On doit les respecter. Nous sommes derrière nos téléphones, on commente. Wow, wow, wow. Maman, tu es pas chère. Au lieu d'accumuler le péché en toi, mais tu zappes même cette femme-là pendant 2 semaines, 1 semaine. Tu continues dans d'autres directs. C'est simple. Mais bon. Oui, justement. C'est un peu ça. C'est ça que moi, je disais que ne vous attardez pas le fait qu'elles sont en train de se chamailler de gauche à droite là-bas, que ouais, elles sont pas d'accord pour le direct de ma paix. Même là, demain, vous allez les voir venir la soulever avec notre direct, mettre en haut là-bas jusqu'à donc. Hein. Quand vous insistez, plus vous insistez tout ça comme ça, plus aussi persistez. Ça crée les... C'est vrai. Je veux passer maintenant à un peu une petite partie de la de direct de la honte de Monsieur Essomba. Pour que vous écoutez un peu. Bonjour, ma petite qui vient d'intervenir là, vraiment, je te donne le chapeau, tu as bien parlé. Franchement, tu as bien raisonné, quoi. Écoutez un peu le monsieur qui est venu laver une autre femme. Avant de venir en France. Voilà. C'est comme ça que j'arrive en France. Donc, je ne vais pas parler de ma vie. Donc, en 2000, moi, je vis à Niort. Niort, c'est mon village. Ma fille qui est décédée, ses femmes sont à Niort. Mes enfants sont à Niort. J'arrive à New York, j'ai toujours vécu à New York. Donc, moi je suis à New York. J'ai une petite sœur à moi. Voilà. Bon, on l'appelle Ainsi. Elle fait les soirées à New York, elle me dit grand frère et tout et tout, accompagne-moi, aide-moi, on va assister moi et tout, machin, tout ça. On devient inséparables. Elle et moi, on devient inséparables, tout le monde, voilà, bon, les nouvelles femmes disaient qu'on sont ensemble, les autres disaient que non, franchement, grand frère, petite sœur et tout, mais c'est ma petite sœur, tout le monde, ça, c'est comme ça, j'ai des petites sœurs comme ça, parce que moi, je tourne et tourne pas autour du sexe, voilà, contrairement à une certaine personne. Donc, ainsi, fait les soirées ici, bon, après, elle me fait rencontrer un gars de Paris qu'on appelle Alex Tonnet, le Baobab. Il commence à venir à New York. Dieu merci, hein. J'ai seulement appuyé par hasard et c'est tombé net là où il est en train de raconter comment il a rencontré Michel Essomba. Hein. Vous-même écoutez son propre ndemda, son propre caca qu'il est venu lui-même chier. J'ai seulement cliqué comme ça par hasard hein. Et c'est tombé net la partie où il est en train de raconter comment il a connu sa femme dans les soirées. Écoutez. Une famille. On devient une famille. C'est là où Baba, c'était un foyer organisé des soirées à Paris à l'époque. Il organisait des soirées à Paris. Donc, il doit organiser sa soirée à Paris. Ainsi et moi, et une amie de l'époque, je ne vais pas citer son nom, voilà, une amie, une copine de l'époque. Et voilà, on parle de New York, voilà, voilà, d'autres venaient de Nantes et tout, on se retrouve à Paris. On prend notre hôtel, on assiste à l'instant dans sa soirée et tout. Pendant la soirée, même si ma petite elle était bien avec, avec un gars, moi je connais, voilà, moi je connaissais pas ce gars, voilà, voilà. Bon, c'est les gens de Paris, machin, tu. Donc, elle était en train de causer avec un gars, voilà, et une fille qui est venue se mettre à côté, et tout, c'était Michel Essomba. Le gars s'appelait Manu.
en fait, c'est que, voilà. Et je demande à Ansi, que gars, c'est qui l'engagé à côté de, du job avec qui tu poses là. Ansi me dit, mais gars, ça c'est le gars de Paris là, et tout, elle est dans les réseaux sociaux et tout, elle s'appelle Michel Essonda. Ouais, elle était bien habillée ce soir, elle avait un charme, mais voilà, elle avait un style, voilà. Après, elle est aussi. C'est qui? Qui est venu couper? Parlez, parlez, vous avez vous-même écouté comment il a rencontré sa femme dans les soirées de Paris. Une femme qui est avec ma frère, c'était dans les soirées de Paris. Vous venez dire que Michel montrait qu'il ne savait pas que c'est comme ça qu'elle était. Il pensait qu'elle avait, il a trouvé Maria. Après, il s'est trouvé avec Satan. Pardon, mais. Et alors, pourquoi il n'est pas parlé? Il pleure quoi? On n'a pas suivi le voice ici hier. Avant son direct, si on a suivi le voice ici, là où il pleurait là-bas en disant qu'il faut qu'elle pardonne, elle cesse. Il a trouvé Satan, il pleurait. Les mêmes gens comme les pétards là-bas en Côte d'Ivoire. Je peux dire quelque chose. Bonsoir. Vous savez quoi? Moi, vraiment, il faut qu'on soit vrai et il faut qu'on dise les choses cash comme ça doit être. Moi, je veux donner mon point de vue. Et après, c'est la reine ma faut de retour. Moi, je veux donner mon point de vue. Et après, si c'est que ça ne va pas trop dans votre sens, vous pouvez zapper. Hein. Ce n'est pour chacun donne son point de vue. Ce n'est pas que ça va avec, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Oui, beaucoup, beaucoup de respect. Là, c'est sûr. Ne vous dérangez pas. J'étais en train de dire que quoi? Moi, le conseil que moi, je peux donner à ma pépé, c'est quoi? C'est que ma pépé, moi, sans te mentir, le chat de maman que tu viens de valer là. Non, c'est que je me sens pas trop bien. J'étais en train de dire que quoi, ton ami qui va chez ton ennemi où on t'insulte, on te lave tous les jours, n'est pas ton ami. Moi, je sais pas ce qu'on a en train de tourner sur la toile depuis. Je sais que j'ai pas écouté tout le direct de ma pépé aujourd'hui. Ma pépé, cette fille qu'on appelle Michel Essonda, moi je dis mes vérités, hein, n'est pas ton ami. Elle pouvait faire la mère que son direct. Elle parle ce qu'elle va pas. Elle parle. Elle devait parler chez tes ennemis, ceux qui t'insultent tous les jours. En plus, chez qui encore? Chez ma pute. Elle ne devait pas partir là-bas, t'insulter. Elle ne devait même, comment dire, te parler, bien parler de ce qu'elle voulait parler. Elle ne devait même pas passer là-bas. Surtout que c'est ce que tu traverses sur la toile depuis un certain temps. Je pense que c'est ton ami. Elle est censée se reconnaître ce que tu passes, tu traverses. Pour moi, c'est ça. Maintenant, ce que Michel Essonda et son ex font sur la toile-là, on s'en fout. Nous, on connaît l'histoire de Michel Essonda. Michel Essonda, c'est une rococo des réseaux sociaux. C'est une rococo. Donc, quand on dit qu'elle a quand combien là, ajoutez 20 ans sur ça. Voilà. Donc on arrête un peu. Ma pépé, tu dois connaître ta place sur les réseaux sociaux. Celle-là n'est pas ton ami. Moi, c'est mon point de vue. Parce que il y a même les gens qui ont pris certains voix où on dit que certaines choses de ta vie, même c'est elle qui disait à Flore. Ma pépé, fais attention. C'est tout ce que moi, je peux dire. Tu sais que ça sera une amitié. Que tu as vraiment aimé cette fille et tout. Je sais que tu as vraiment aimé. Mais fais très attention, fais gaffe. C'est tout ce que moi je peux dire. Voilà. Elle disait ça à Mafo, comment, quand, puisque à l'époque, elle ne parlait pas avec Mafo. Elle envoyait ça. Il y a certains. Écoutez-moi, les filles. Ce que le mari de Essonda a dit là, son ex là, il n'a pas dit tout les mensonges. Lui, il a dit que c'est une fille manipulée. Qu'est-ce qu'il a été à son école? Lui-même, il a dit ça. C'est vrai que le monsieur est venu raconter beaucoup de choses qu'il ne devait pas raconter. C'est un homme, il devait mettre sa dignité d'homme de côté avant de venir raconter certaines choses. Mais il a dit certaines choses que nous, on se rappelle même à l'époque, on savait qu'elle était déjà comme ça. C'est juste que la paix a fait, on a oublié. Tu comprends un peu? Mais on ne doit pas tout oublier quand même. Elle a duré dans les soulas. Je suis d'accord avec toi. C'est une soulas depuis des siècles. Donc, on sait que elle n'était pas sur les réseaux sociaux, mais il y avait toujours les coups bas qu'elle faisait. Il y avait tous les coups bas qu'elle faisait. Après, son nom sortait toujours derrière. Pardon, s'il vous plaît, soyons lucides. Ma pépé doit comprendre que maintenant, si elle a une vie rangée, certains gens, elle doit me retirer de sa vie et mettre de côté pour sa paix à elle-même. Parce que
aller maintenant dans le direct là-bas, là-bas chez son ennemi, on fait le direct, elle se sent pas bien. Non, c'est vrai, pas que dans le direct, dans les photos, elle ne devait pas être dans les photos ou bien dans les vidéos. Elle devait être que non, ne me filmez pas. Point final. C'est quelle histoire de dépourvue. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Madame, je ne suis pas quand même d'accord avec vous. Non, attends, laisse aussi le parler. C'est quand même un peu trop. Je trouve que c'est même primitif. Tu te comportes un peu comme si tu étais primitif. Vous êtes dans un endroit, dans une association, en train de faire. On me fumait, tu dis que non, ne me fumez pas. Non. Ça, je le dis. Voilà ce qu'on a fait d'utiliser pour lui, sa copine. Moi, j'avais pour te dire que si c'est elle qui est entrée dans la réunion avant et qu'on est en train de vouloir mettre laisse copine, laisse épouse de ma pépé, elle allait dire que pour l'honneur de ma mère, je ne continue plus la réunion. Vous comprenez? Donc, mais dis-moi. Si et c'est que c'est elle qui est venue trouver l'ex-épouse de sa mère et entrer dans la réunion, c'est toujours le faux cop est dans les deux sens. Le faux cop, parce qu'elle ne va jamais dire qu'elle ne savait pas que la fille est dans la réunion, elle savait. Mais je demande non. À les filles, on explique comment le fait. Écoute-moi. Après aussi, moi aussi, je vais vous dire, nous, on prend les choses un peu trop. Quand je vais dire ça, on prend ça comme si, tu sais, vous savez, dans la vie, il y a aussi des certaines choses que je vais dire. Il n'y a pas eu quand même mort d'homme entre elles. Mais moi, je me dis, elle pouvait bien assister à cette réunion, mais tout en prenant cette distance envers cette fille. Vous comprenez un peu? Ça ne veut pas dire qu'elle va, finalement devoir carrément, parce que c'est une réunion, ce n'est pas une amitié. Mais c'est déjà qu'elle n'est pas amie avec la fille, elle est dans une réunion avec elle. Elle peut bien partir à la réunion sans être son amie, sans s'afficher avec elle. Je lui ai dit sans. Comment dire, se coller. Comprenez, on peut bien faire l'association ensemble. Mais j'ai mon idée. Vous comprenez? Okay. On peut bien faire soit dans une réunion ici, que nos réunions, quand on part à la réunion, il y a une personne avec qui on ne se parle pas. Mais on fait la réunion ensemble. Mais on ne s'assoit jamais pour vous coller. Tu mets toutes tes distances, elle est dans son coin. Quand il y a un truc où tu sais qu'elle va passer, tu esquives. Ne parlons pas. Non. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Explique-moi le fait qu'elle n'est pas passée chez cette prise de tracteur de ma pépé. On explique ça comment? Oui, là, peut-être, je me dis qu'elle n'a pas bien fait. Parce que là, même. Moi, s'il y a eu un truc comme ça, et que je sais que les personnes là-bas, elle ne va pas me dire qu'elle n'est pas sur le net, elle est sur le net, elle voit tout ce qui se passe, que ces gens-là, ce monde-là, ils sont contre comme ça. Je comprends un peu, non? Et même si, parce que parfois aussi, tu peux aussi ne pas vouloir porter les problèmes de ton ami, tous les problèmes de ton ami sur toi et faire les ennemis avec les gens, tu comprends un peu. Mais en allant là-bas, tu précises à ton ami que regarde, tu l'appelles, tu lui dis, écoute, ma copine, on m'a accusée dans tel endroit comme ça, et j'aimerais passer pour qu'elle soit prête. Vous comprenez un peu, si elle avait fait ça comme ça, vous avez vu que Compression n'était pas fâchée dès le fait qu'elle était à la réunion, parce que Compression dit qu'elle avait dit qu'elle partait à la réunion, qu'elle devait être à la réunion. Vous voyez un peu, elle aurait pu toujours faire pareil à la passer dans le direct en lui disant que on a et voilà, je suis passée là-bas. Voilà, moi je crois que. Regarde, je donne mon point de vue. On va utiliser tous les moyens. Moi, c'est justement une chose que je dis à ma pépé que. Quelqu'un qui va chez mon ennemi, là-bas, et quoi que ce soit, même si on a parlé de moi et tout, c'est pas aujourd'hui qu'on parle de Michel et son mari sur les réseaux sociaux. Tu comprends un peu? Non. C'est pour elle va venir se défendre ou quoi que ce soit. C'est depuis des années qu'on parle de Michel et son mari. Tu peux parler. Je peux parler. Qui parle? Je t'en connais, c'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de Michel Soma sur les réseaux sociaux. Et Michel, c'est une vieille chouette de Facebook de temps pour voir comment ça se passe. C'est rare qu'elle vienne de se défendre ou quoi que ce soit. C'est très rare. C'est une fois depuis peut-être, depuis que m'a fait parler de Facebook là, depuis que les clashs ont commencé, c'est la première fois que Michel Soma passe dans un direct. OK. Comme je t'ai en train de dire, on a parlé d'elle, elle voulait répondre. Ma pépé, lance-moi le direct, je veux pas en direct pour répondre. Point final. Après tout, c'est ta mère.
tu ne vas pas sur ces détracteurs là-bas parler. Je ne parle pas là-bas. Oh, là, je ne peux même pas accepter ça. Vous allez me dire quoi, Maman Pépé? Où est-elle là? Parce que moi, ce qu'on peut. Le monsieur, parce que ce monsieur raconte, il raconte beaucoup de choses. Mais il a dit qu'il était à l'école de Michel Somba. Et on connaît comment Facebook fonctionne. On connaît comment ça fonctionne. Qu'on arrête un peu. Moi, elle doit couper le cordon entre cette fille-là et elle. Et qu'elle passe à autre chose. La reine Mafo, je sais que moi, tu sais, nous qui sommes souvent derrière, derrière les claviers, on prend les choses, je vais dire, on prend les choses souvent, on pousse un jar et tout. Essayons souvent un peu d'être moins impulsif et émotionnel, vous comprenez un peu, non? Parce que ce n'est pas une histoire de mort d'homme. Demain, ma pépé peut se réconcilier avec ces filles-là aussi. Essayez de voir cette thèse-là. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Même ma pépé, Pipi là, qui est là-bas, qui a le problème avec, elle peut se remettre demain. Si Michel est venu, c'est inclus dedans. Et a fait des trucs, elle se retrouvera comment? À un moment donné, il ne faut pas trop voir les choses comme ça. Moi, c'est que nous qui sommes derrière les claviers, on voit les choses comme si c'était mort de mettre. N'oubliez pas que ces deux filles-là ont tissé. Je peux vite parler là, tu sais que je ne dis jamais, je suis pressée. Pardon, maman. Je peux te taper, pardon, parle. Non, je peux te taper. Ouais, ma tata en douleur. Bon début de semaine à vous. Attends, toi. Bonjour, bonjour. C'est bon après-midi. Je suis habitué. Quand je dis vous me tapez. On tape ça, tata. Non, tu ne peux pas me dire ça, tata. Hein? En réalité, les soeurs de Nicosi. Dans la paix. Tu sais que pour moi, c'est tout sauf les insultes. Dans la paix, tu sais, maman. Non, mais vous ne m'insultez pas. Ah, la femme de la qui m'énerve jusqu'à. C'est mon non, ça. Non, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. C'est pas gros. Voilà mon point de vue. En réalité, on dit ceci. Dans la vie, le meilleur joueur, c'est celui qui est dans les gradins, c'est ça, hein? C'est très facile de parler quand ça ne nous concerne pas. Il faut qu'on soit voilà. Juste. On ne coupe pas une relation un matin. C'est faux. Soyons honnêtes. On se lève pas un matin, on coupe une relation des années. Elles ont eu des choses très fortes. Un lien fort, encore plus, c'est la marraine. On ne choisit pas marraine n'importe qui. Il faut qu'on soit juste. On ne peut pas se lever un matin pour une erreur. C'est vrai. Moi, je n'accepte pas. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'elle est très ancienne, la dame Michel Somba, dans cette affaire de Facebook et tous les clashs. Elle seule sait les motivations qu'ils ont envoyées là-bas. Mais toujours est-il que ce qu'elle a fait, elle sait comment est-ce qu'elle va rectifier ça. On ne peut que donner le point de vue, mais être catégorique au point de dire non, on coupe la relation. Non. C'est pas comme ça. Ne me dites pas que, même avec vos amis, ne me dites pas que quand l'ami fait un truc, non. Il ne faut pas demander. Et puis, on ne va pas dicter. Il ne faudrait pas qu'on dicte les gens. On est sûr, on est fier, on perd le temps, c'est vrai. Non, je ne parle pas de vous, madame. Non, je ne parle pas de vous. Je parle de la généralité, en fait. Les gens sont très catholiques. Mais je comprends aussi ceux qui se passent. Ceux qui te soutiennent ont très mal qu'on t'insulte. Il faut aussi qu'on soit, clair là-dessus. Les personnes qui aiment sincèrement Maman Pépé, de voir que, parce que ce jour, elles ont été très, très violentes aussi dans ce direct-là, hein, à insulter violemment et que. Le point, c'est qu'on insulte même ma pépé, elle ne dit rien. Et Somba n'est pas recadré ces femmes-là. Parce qu'en réalité, quand tu arrives, si c'est ta personne, comme on le dit. Eh bien, que non, je suis là, et respecter ma pépé. Je leur dis non. Voilà. Ma pépé, point final. Elle ne dit rien, elle reste tranquille. Elle est en train de rire, mais arrêtez les filles, s'il vous plaît. Mais ce que je constate, c'est qu'en fait. Moi, je vais interpeller tous ceux qui suivent ces femmes. Il faut savoir, ne mettez pas les organes. Toutes ces femmes se connaissent. Elles ont les mêmes fréquentations. Elles ont les mêmes fréquentations, les amis. Je ne sais pas vous si vous comprenez un peu cette histoire. Elles ont les amis en commun. Elles ont les mêmes fréquentations. Ça veut dire que, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre les organes. Prenez ça pour une distraction. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas porter, avoir autant mal pour quelqu'un que... Je comprends les femmes qui suivent ma pépé. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais vous comprenez qu'en fait,
en dehors de Facebook, Facebook, il y a une vie. Elle ne doit pas se lever le matin comme ça pour parce que c'est vrai. Il faut aussi comprendre qu'il y a des choses que ces femmes font, c'est pour nous faire plaisir à nous. Nous qui les suivons. Il y a des situations qu'elles peuvent même prendre légèrement, mais pour peu qu'elles elles sont suivies, elles ont des fins. Vous comprenez? Elles font des sorties. Vous croyez que si ce n'était pas parce que Maman Pépé a des gens, parce qu'elle se doit de donner des explications aux gens qui la suivent, aux gens qui l'admirent, aux gens qui ont de la compassion pour elle. Sortie, fait une sortie. Allô? Parle. Je me suis. Allô? On t'écoute très bien. Allô? Parle. On te suit. C'est Iris qui parle. Tu me suis. Qui oui, parle? C'est Iris. Bah, on te suit, non? On te suit. Voilà. Bon, quelqu'un d'autre qui vient d'entrer là, parle. C'était son micro a un problème. Moi, j'étais en train de dire que si je vais parler à l'autre. C'est arrivé. Elle veut boire la cadi bien. Ma Pépé, on t'écoute, sois la bienvenue. Merci. Merde. Vous me rendez déjà aussi, le pape devient déjà comme si c'est... Mais vous me rendez déjà presque ridicule aussi. Il fallait aussi comme ma fille Michel et son baguette, pas déjà dans les tirets pour justifier. C'est pas quoi c'est. Je justifie pas, boire la cadi. Merci Longo, j'ai vu. J'ai pris, viens de prendre une despèce, ça me fait déjà mal à la tête. J'ai bu une despèce, je n'ai pas encore marié depuis le matin à cause de toute cette histoire-ci, ça me fatigue. La patronne ne se justifie pas. Il faut quand même, tu sais, il y a des gens qui passent les nuits blanches pour moi, que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu leur visage. C'est logique, c'est normal qu'ils s'énervent. Hein? Moi, j'étais très énervée. Quand j'ai vu, je dormais, hein? C'est mon gars qui m'a réveillé que viens un peu écouter ici là. J'ai dit il y a quoi encore? Il me dit que voilà une directe qu'on vient de m'envoyer. J'ai dit qu'il y a quoi? Toi-même tu fais quoi avec les choses? Dis aux gens qui t'envoient les choses, je ne peux t'envoyer ça. C'est comme ça que j'écoute. Comment est-ce que ma fille est dans le direct, on m'insulte. T'as dit, et on l'encercle même elle-même. Tu vois un peu. Elle-même, elle était encerclée aussi. Oui, il a elle ne connaît pas. Voilà. Elle ne connaît pas les stratèges de ces personnes. Mmh. Elle a beau être sur les réseaux sociaux, Michel veut souvent faire comme si elle connaît trop, mais elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Il y a des choses que c'est moi qui lui disais souvent que fais comme ça, ne fais pas ça. Elle ne connaît pas parce qu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle veut faire un direct. Je lui ai dit non, tu ne peux pas faire des directs. Même quand l'autre jour encore, il y a eu un problème quand son gars a commencé à faire les posts sur elle. Elle m'a appelé que si je ne fais pas, Si je ne fais pas le direct, elle va faire le direct. Je lui ai dit, non, tu ne fais pas de direct. Elle m'a appelé. Chaque fois qu'elle veut faire une sortie, elle me demande. Mais là, la sortie qu'elle a faite chez les Ténébreux, c'est sa sœur qui lui dit qu'on est en train de t'accuser là-bas. Il faut que tu ailles te justifier. Donc, elle venait se justifier, en fait. Et c'est comme ça que ça a tourné, Ce n'est pas que je prends ça. Je suis très remontée du fait qu'elle soit partie là-bas. Très remontée et très énervée même. Mais on s'est expliqué. Ce n'est pas tout qu'on va venir s'expliquer devant les réseaux sociaux. Je partage. J'ai un enfant que elle est quand même. On était à l'église, elle a juré devant Dieu et les hommes qu'elle est la mère de Noé. Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire même? Justement. Ma mère m'a appelée, me dit que qu'est-ce qu'elle entend? Elle ne veut pas entendre que je fais les problèmes avec elle. J'ai pas de problème avec. Je ne peux pas faire les problèmes avec elle. Les autres là, je n'ai rien partagé avec eux. Je ne partage. Je ne partage rien avec eux. Les deux autres, je ne partage rien avec eux, mais avec elle. Je lui ai donné un enfant. Que les gens soient souvent un peu. Après, on va dire que ingrate. Je ne suis pas ingrate. Je montre au monde que dans la vie, la relation humaine est souvent très compliquée. Je ne peux pas voir où on est en train de cracher sur Michel, je laisse jamais. Mais je vois là-dedans en train de mettre le couteau dans le ventre de Ngombongo Indi, j'ajoute aussi pour moi. Ça, je le dis à qui veut l'entendre, je suis comme ça. Jusqu'au jour que Michel va me mettre dans la tombe, je vais dire que oui, là maintenant, alors, elle m'a vraiment mis dans la tombe. Il n'y a pas eu mort d'homme. Elle a mal fait. Elle a mal fait d'aller passer là-bas, oui. Tout le monde est remonté pour ça, oui. Mais on s'est expliqué. On s'est expliqué, on a discuté, on a parlé. Maintenant, je ne peux pas contrôler les humeurs de tout le monde. Et voilà. En même temps, on ne peut pas aussi me dicter ce que je dois faire.
Je ne suis pas une enfant, j'ai quand même 42 ans. On ne peut pas me dire que non, si tu parles encore avec Michel, on se déconnecte de ta page. Si tu... Non, 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 non. Là, c'est déjà le chantage, ça. Là, ça va déjà au chantage. Non, mais c'est pas ça. Bon. Là, ça va déjà au chantage. Okay. Et je suis, si vous connaissez un peu la mentalité des filles Bassa, je suis très têtue. Je suis tellement têtue que quand on me dit ça, c'est là, alors que moi, je vous montre le contraire. Je n'aime pas le chantage. Je déteste ça. Michel ne m'a tué personne. Elle n'a tué personne dans mon entourage. Libre à moi maintenant, si je veux entrer dans le trou, j'entre dans mon trou. C'est tout. Mais, j'ai tiré ses oreilles. On s'est expliqué en grande fille. Elle regrette du fait qu'elle est partie passer là-bas. Parce qu'après, elle-même, elle a vu qu'elle était déjà ridicule. Ce ne sont pas ses amis. Elle les a bloquées toutes. Justement. Elles veulent maintenant pas encore la clasher. Elle ne va plus aller se justifier là-bas. Okay. Justement, ma pépé, c'est ce que moi je disais ici là tout à l'heure, que les gens, nous qui sommes derrière les claviers, on a trop de l'émotion, on est impulsif, on se dit, ils ne savent pas la réalité, c'est quoi. Ben quand oui. Comme on dit, quand tu as une amie, quand tu as une amie qui t'a fait du mal, j'ai appelé Flore. Est-ce que c'est facile? J'ai appelé Flore, j'ai dit à Flore, qu'est-ce que tu en penses? La Flore m'a dit que non. Elle a très mal fait. Comme moi, non, on était fâchés, Flo et moi. Mais on a dit qu'on ne peut pas la laisser tomber pour rien au monde. Jusqu'à la terre finie. Oui, on ne la laisse pas. Ce que tu as justement donné, ce que j'attendais. Heureusement que vous êtes devenus trop sages, vous deux. Est-ce que vous savez que la troisième personne avec qui ils étaient, qui parlait dans le direct des ténébreux là-bas pour dire que wow, la troisième personne, elle a fait les posts pour dire que wow, tu as pris mon gars, alors moi aussi, je prends celle qui te donne tout. Parce que c'est Michel qui paye ma maison ici là, c'est elle qui me paye à manger ici là, donc elle prend. Regardez-moi les choses comme ça là. Non, donc moi j'ai prémédité, vous comprenez maintenant que c'était prémédité. Cette vidéo là, c'était prémédité, parce que quand elle a fait ça, ce n'est pas Michel qui a filmé. C'est ce que je veux que vous compreniez. Michel, regardez bien cette vidéo, analysez bien cette vidéo. Michel elle-même a été piégée. Ça se voit. Elle-même a été piégée dans la vidéo. Elle ne savait pas comment retourner en arrière. Voilà. Non, mais attendez, ma pépé. Ce qui nous énerve, c'est le fait qu'elle soit allée chez les ténébreux là-bas. Là, elle a fait. Là, je lui ai tiré une oreille pour ça. Je ne peux pas faire comme si je n'ai pas vu. Comme si ça ne m'a pas fait. Ça m'a pas choqué. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, le fait qu'elle soit passée là-bas. Ma pépé. Les gens qui disent même d'abord que qui trouvent le fait que Michel était là-bas et qu'on était en train de faire la vidéo, ils devaient dire que non. Moi, je trouve que ça c'est primitif, ça. Que tu te retrouves quelque part avec des gens et tout, on a fait une vidéo, les gens sont en train de jubiler, que tu dis non, ne me finis pas. C'est toi qui deviens encore même ridicule là-bas et tout. Elle, toi seulement, elle peut bien faire la réunion avec moi, je vois aucun problème. Mais prendre ses distances, elle n'est pas obligée d'être avec elle. Où est le problème? Il ne faut pas que les gens poussent comme ça. Elle a tué quelqu'un. Mais elle, c'est parce qu'elle a, que la fille elle est pouvoir avec toi, que comme elle est ton amie, même qu'elle se retire. Sinon, est-ce que la fille a fait quoi de mal? Déjà, il faut pas trop faire comme la personne qui. Moi, je vais dire Aura. La personne qu'il faut se méfier, c'est ma voisine. Exact. C'est ma voisine, la gangrène là. C'est elle. Puisqu'elle sait bien que elle connaît les relations que j'ai avec Michel. Tu as compris comme moi. Vous avez compris maintenant. Là, c'est Michel, on utilise même Michel dans l'histoire. On l'utilise. Tu as dit que ce n'est pas ton ami, non. Donc, tu savais qu'il n'y a pas de lien entre vous. Et donc, ça ne se peut même pas dire parce que ce n'est pas ton ami. Point final. Les gens sont en train de se prendre la tête. Je ne sais pas pourquoi ils se prennent la tête. Mais c'est Michel quand même la marraine de son enfant. Michel peut parler avec qui elle veut. Hein? Elle sait que quand elle est avec moi, elle ne doit pas être avec ces personnes-là, c'est tout. Quand elle est avec eux, est-ce que je suis avec eux? On a notre relation à nous. On a notre relation comme entre deux mères et filles. Si je ne voulais pas cette relation, je n'allais pas leur présenter toutes ces personnes-là. C'est moi qui l'ai pu leur présenter. Je te coupe pas. C'est comme si demain... Elle va te voir en train de marcher, aller monter, descendre avec le monsieur qui est venu hier nous montrer son show. Voilà. Est-ce qu'elle va aimer? Dans la vie, on dit dans la vie, quand tu es reconnaissante,
Je te jure, même tes affaires avancent. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il ne faut pas faire au premier truc comme cela m'ont trahi là, que au premier venu, comme je me suis reconcilié avec Flore, bam, j'ai commencé à voir les ennemis de partout. Ceux qui étaient avec moi, qui ont commencé à être ennemis avec moi. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, aujourd'hui, moi voici ça avec Flore. On peut pas faire, elle peut pas faire quelque chose sans me dire. Je peux pas faire quelque chose sans lui dire. Maintenant, c'est que, bam, dès qu'il y a un truc, je l'appelle, je dis que Kota, on fait comment? Elle me dit, Kota, tu sais, voilà, non, c'est ici, ce n'est ça. Pas bon. Ici, c'est bon, ici, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on pourrait savoir ça un jour, qu'on pouvait être comme ça? Non. Je n'ai pas entré dans les trucs de la manipulation. Non, non, je n'entre pas dans ça. Je dis, la sortie du monsieur hier m'a trop énervée. Est-ce que je suis sortie depuis? Non, c'est parce qu'il est sorti. Et comme je connais leur relation, je connais, j'ai été avec elle en vidéo, elle m'a fait dormir. Elle nous a fait dormir à plus de 2h du matin, 3h du matin, parce qu'elle est dans la voiture en train de dormir. Je connais l'élément. Ce matin, elle a appelé le bailleur. Le bailleur a parlé jusqu'à ce que j'ai enregistré. Il dit que la fille l'a laissé dans les dettes. Il aime encore ta fille. Mais il pleure. J'ai les voices, non. Il pleure. Il dit que. Vous savez, Michel, c'est une femme, c'est une fille. C'est-à-dire, elle était dans une engrenage. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut que Mboboko aussi, qu'on fasse tout, que son gars la parte au pays. Vous allez voir comment est-ce qu'il va retourner le dos à la fille là, quand il va revenir. On avait la fille était devenue bouddhiste. Ok. Il avait déjà mis la fille. Elle était devenue grosse. Elle était seulement dans la maison. Elle était un jar. Vous avez encore vu Michel et son mari, puis que c'était marié, le gars a parti dans les soirées. C'était fini. Il avait tout arrêté, tout. Il avait coupé tous ses téléphones. C'était sa vraie proie. Mon Dieu. Il me dit, elle m'appelle dans les toilettes. Elle est en train de me dire que, maman, comment ça va là-bas? J'espère que tu es à l'aise. Tu n'as pas de problème. Bam, il est devant la porte des toilettes. Ah. Je te jure sur la tête de ma mère. Il est devant, elle est en train de faire semblant de faire les selles. Il est devant la porte des toilettes. Okay. Vous croyez que je parle de quelque chose que je ne connais pas? Il y a des moments, elle me piégeait même. Elle lance même l'appel vidéo comme ça. Elle me fait seulement que, maman, elle fait comme si elle invente que, bon, je vais un peu aller marcher un peu pour me détendre. Le gars dit que je t'accompagne. Aïe, ya. C'est grave. C'est dur le mariage. Pendant une conversation qu'on doit avoir entre filles, mère et fille. Elle me dit, bon, ce que je vais faire semblant d'aller acheter le pain. Et puis, je vais t'appeler. Maman, elle est en bas. Elle m'appelle en vidéo que regarde qui est en train de venir là-bas. Là. Je dis que merde. C'est quelle vie ça, non, ma fille? C'est quoi ça? C'est la vie que tu as choisi. C'est la vie. En fait, je vais dire que c'était un narcissique, quoi, oui. Ben oui. Il voulait bien la bouffer, quoi. Il la menait partout. Partout. Ah, c'est ça. J'ai dit que les gens qui sont en train de m'insulter là aujourd'hui, là, qui m'insultent là, ils ne savent pas ce que moi j'ai vécu avec le couple là. C'est pour ça que vous me voyez faire cette sortie là. Je connais. Et quand il commence à bavader, c'est-à-dire s'il attrape, peut-être qu'elle a envoyé quelque chose à quelqu'un, il attrape. Hey! Tu connais la qualité que tu commences, tu t'expliques et puis tu crois que c'est passé. Il va parler de ça pendant 2 jours. Il bavade jusqu'à ce que le jour, il a bavadé comme si une fois, elle était obligée de sortir par la fenêtre. C'est là qu'elle s'était cassé le pied. Oui! Oh! Mais il peut penser à aller vendre son couteau là-bas pour ça. Vous ne savez pas ce que la fille a subi, hein? Elle a subi, hein? Jusqu'à ce que nous lui avons dit que viens à Rouen, viens un peu te détendre. Le gars ne lâche pas. Le gars ne la lâche pas. Il partait dire à ses amis que, gars, ma femme travaille 5000 euros par mois. Il se moquait de ses amis avec ça. Que sa femme fait les 5000 euros par mois. Tu te rends compte? L'enfant de quelqu'un? Ma pépère, mais il faut aussi que on soit aussi honnête que ta fille aussi donne trop du travail. Il faut aussi savoir, ma pépère. Elle donne trop du travail, comment elle donne le travail parce que tu ne peux pas être en train de la défendre comme ça et elle continue à nous donner le travail. C'est vraiment ma pépère. Je suis d'accord avec toi. Michel est dans tous les sous-marins. Bon, j'ai commencé à la voir aller dans tous les directs. Bonjour. Je vous dis
que vous allez tuer quelqu'un un jour à Facebook. Moi, voici que je sors du sommeil, je suis rentrée à 7h. J'avais la boîte de nuit. Ouais, assis. Maman précise, j'attache vraiment. Quand tu fais tes gombos là-bas, tu m'as fait l'autre jour, j'avais la salive dans la bouche. Maman, est-ce qu'il y a quoi? Donne seulement le temps. Le partage, j'avais la salive dans la bouche. Mon petit, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, peut-être je ne parlerai pas dans votre sens parce que tout ce que les gens vivent à Facebook là, j'ai vécu ça en miniature. Donc, je suis un peu comme une pierre dans l'eau. Sachez que c'est très facile. Je peux aussi, maman. Sachez que c'est très facile de donner les conseils. C'est très facile de faire des propositions. Mais à the end of the day, chacun est conscient, chacun est personnel, chacun est unique en son genre. Quand je vois le problème de maman Pépé, beaucoup de gens, quand ils veulent parler, ils parlent, il faut qu'elle aille travailler, il faut qu'elle fasse ceci, il faut qu'elle fasse cela. C'est bien beau. Mais la maladie qu'elle vient d'être opérée, là, j'ai perdu ma... C'est le premier deuil quand je suis entrée dans ma belle famille, qui m'a accueillie, qui nous a fait mal. C'était ma belle tante qui souffrait de la maladie de ma pépé. Là. Quand vous avez cette maladie, je ne suis pas en train de la supporter. Et ne me jugez pas, je donne un point de vue. On n'est pas obligé de parler de la même façon. Parce que chacun parle selon son âge, selon ses vécus, selon ses expériences. Ma belle tante, là, ce qu'elle pouvait faire, c'est de faire un effort, se mettre un peu sur son lit et manger. On a tout fait. Salut. Ça dit qu'elle saignait comme... Quand vous perdez déjà trop de sang déjà dans votre vie, parce que le sang, c'est ça qui... Ça dit que c'est ça qui fait votre énergie. Ce que ma pépé a vécu, beaucoup de gens vont dire, oui, est-ce qu'elle est la seule, tout ça là. Ça ne vous donne même pas envie de sortir de votre vie. Vous êtes fatigué 24 hours. Parce que ça puise 80% de votre énergie, cette maladie. Vous n'avez envie de rien. Et c'est entre la vie et la mort. Parce que ma belle tante ne s'est pas en sortie. Je vous dis, même manger, elle n'arrivait pas souvent. Elle ne faisait que maigrir. Tout ce que je peux lui dire, elle dit seulement, je suis fatiguée. Quelqu'un peut aller travailler avec la fatigue. C'est maintenant, si maman Pépé veut faire quelque chose de sa vie, après cette opération, si elle veut, je dis bien, si elle veut, elle peut avoir le courage de sortir. Parce que quand vous avez cette maladie, même si vous partez à un bureau, vous ne pouvez pas résister une heure de temps debout. Vous essayez de faire semblant pour que les gens voient que tout va bien. Quand je vois les gens l'insulter, ma pampers, ma ceci, c'est rigolo. Faisons beaucoup attention dans la vie parce qu'on ne saura comment on peut finir. Toute femme a pédé, a souvent un peu avoir de la jugeote avant d'insulter sa soeur femme. La maladie, on ne la demande pas. Ça peut arriver à n'importe. Vous pouvez être en santé aujourd'hui et vous allez faire un contrôle. On vous dit que dans une semaine, ce serait très grave sur vous. Et si on commence à vous donner... Et vous vivez d'abord avec la peur dans vous que je peux partir. Qu'est-ce qui va vous donner le courage de sortir, même aller chercher votre plan? Moi, je suis restée là, il y a 16 heures. C'est difficile. Donc, c'est pour vous dire que... Il est 16h27. Oui. Son amitié avec Michel et Samba, c'est même une honte, c'est même une peine, c'est des larmes. Quand aujourd'hui, on voit qu'elles peuvent se déchirer. Parce que la vraie amitié, c'est comme un mariage. Mmh. On a vécu ça ici à Facebook avec notre reine mère. Quand elle était avec des gens, même derrière avec son ex-père, vous avez vu comme c'était amer. On ne se lève pas le matin pour dire on ne veut plus de gens. Non. Mais si ça arrive, vous supportez malgré vous. Si je ne te coupe pas, mais même ma poula a souffert de. Elle souffre quand même de la séparation. C'est là. Ça qu'il s'agit. C'est pas facile. Il faut qu'elle coupe le pont. Nous tous, dans votre vie, nous avons eu des amitiés. Que voici notre sœur. Et elle nous lâche. Quand ça vous lâche à l'instant, là, les gens parlent, mais vous êtes dans votre chambre, vous avez honte. Vous vous demandez, vous vous posez toutes les questions du monde. Votre cœur peut même s'arrêter. Mais comme les gens sont inconscients, les gens sont ingrats, les gens sont ce qu'ils sont, le monde est ainsi fait, vous acceptez malgré vous. Dans le cas de ma pépé et sa fille, vraiment, je ne veux pas que les gens spéculent beaucoup, les deux décideront et l'avenir décidera. Je dis ici à ma pépé que malgré tous les efforts que tu feras, c'est à ta fille de comprendre. Et ce qui arrivera, arrivera. Ne mets pas trop les organes.
Si ta fille sait qu'elle est ta fille, elle repoussera chemin. Parce que nous accouchons des enfants. Ne donnons pas des conseils que nous pouvons. Même l'enfant que tu as accouché souvent te répond mal. Tu as envie de prendre son acte et déchirer. Mais tu penses un seul instant que c'est quand même ma fille. Et tu sais ton cœur. Après, elle revient avec un peu de sagesse et elle change de position. Dans le cas de ma pépé, j'ai dit ici, ne la jugeons pas trop. Elle a quand même été trop dans la vie de ma pépé. Ma pépé a été trop dans sa vie. Ce n'est pas une histoire de séparation de deux jours. Même si elles doivent se séparer, c'est à petit feu. S'il arrive, parce que quand vous êtes en amitié, il y a des gens qui vous entourent. Que quand on voit que ça va mal, on vous appelle, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? Vous nous foutez la honte, c'est quoi? Et c'est ces gens-là, si vous les respectez, qui vont vous considérer. Comme ma pépé a parlé de sa maman. Ne croyez pas qu'elle peut désobéir à sa maman parce qu'elle a des followers sur Facebook. Non, c'est quand même sa maman. Si sa maman l'appelle que j'entends quoi là, arrête-moi ça très vite. C'est quand même sa maman, elle va arrêter. Ne dites pas que le ventre a fait que Michel et son mari ne peuvent pas payer la location de ma pépé toute la vie. Même si elle lui donne, c'est ce qu'on appelle un ajout. Personne ne peut s'occuper de vous. De la tête jusqu'au pied. Il y a toujours vos petits efforts. Elle vend quand même ses petits produits de beauté. Et même quand l'amitié atteint un niveau, quand on se sépare, on se tait. Parce que ça fait honte de raconter. Vous avez vu une situation peut-être qui est entre eux. Ma pépé n'a jamais parlé ça jusqu'au jour où la vidéo a circulé. Parce que c'est une grande personne. On a honte souvent de dire c'est fini. Vous, vous êtes en ami, vous dansez, vous vous vantez, vous naguez les gens, et puis un matin, bim, ça s'arrête. Vous croyez que c'est facile de venir parler à Facebook? C'est facile, c'est pas facile d'accepter ce genre de séparation. On accepte, on dit ça ne fait rien, mais ça fait quelque chose. C'est ce que j'appelais aux gens de mettre un peu de l'eau dans le vent. C'est une situation quand vous ne la vivez pas, vous ne connaissez pas. J'ai eu mal à un moment donné avec des amis que j'ai rencontrés en Europe. C'est-à-dire que je dormais, je tremblais sur le lit. Mais aujourd'hui, j'ai compris, c'est un pied dedans, un pied dehors. À toi, ma pépé, je vais te dire, il faut que tu modères, pas changer, tu modères. Tu comprends que les gens sont ingrats. Si tu te donnais à 80%, on se donne jamais à 100%. Tu te donnes à 80%, commence à te donner à 60%. Donc, tu freines, tu ralentis doucement. Parce que si tu freines brusquement, tu vas te cogner la tête. Tu mets seulement un tic. Ça dit, tu mets seulement une marque de que oui, c'est leçon de vie. Tu as été déjà blessé plusieurs fois comme notre reine mère. Et j'ai dit aux gens qui ne font que revenir que l'amitié a fait que ma fo et ma pépé ont vécu et souffert de leurs échanges. Aujourd'hui, si on dit la paix, pardon, venons toujours mettre l'arbre de paix. Ne bagarre. C'est-à-dire que ne travaillons jamais pour les séparer, sauf si les deux adultes veulent. Et donne-les dans cette paix, pardon. Quand il y a n'importe quoi, que ce soit dans le camp de ma faux, le camp de ma pépé, ne mettez pas les organes. Parce que je vois les gens se chamailler entre elles-là. C'est deux adultes, vous ne pouvez rien. Même dans une maison, il y a un enfant qui s'élève et dit que je ne veux rien faire de ma vie. Et toi, le parent, tu ne fais rien. Les autres enfants sont là, ils travaillent, mais lui, il dit qu'il ne fait rien. Mais tu ne peux pas le jeter, tu mets toujours dans le panier. Mais tu fais seulement attention à lui. C'est ce que je voulais vous dire. Que il ne faut pas que nos deux teams se séparent parce que, oui, ma pépé, ma... Non, accompagnons-les dans leur paix. Et venez beaucoup plus à Facebook pour la paix. Ne venez plus trop pour la haine. Parce que même quand vous êtes haineux, votre vie est entourée de mauvaises ondes. Ce n'est pas même seulement pour les autres. Même ce que vous faites dans votre vie ne donne pas. Vous ne pouvez pas être en train de prôner la reine et attendre la paix, d'ailleurs, non. Ça marche toujours ensemble. Les ténèbres et la reine et tout ça, là. Quand vous creusez votre cercle, c'est vous, votre propre bonheur. Avant de demander la bénédiction du Seigneur, vous allez bénir votre propre vie. C'est-à-dire poser des actes posés. Ne voyez pas tous les gens, vous voulez séparer, vous voulez créer le désordre, vous voulez faire non. Quand vous faites comme ça, quand vous rentrez le soir, ces mauvaises ondes vous suivent, ça sur vous. Si vous avez un projet, ça tourne au sur vinaigre. Parce que vous êtes en train de prôner la haine là-bas, vous ne pouvez pas recevoir le salut. Donc, je suis en train de dire pardon. Laissez ma pépé résoudre ce problème comme elle veut résoudre avec sa fille. Si sa fille est venue dire, maman, je m'excuse, elle ne peut pas lui dire, fous-moi le camp, tu allais parler. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre camp? Même notre camp, on attend que des balles venant d'eux. Donc, c'est vice-versa. Quand il y a une balle, on ne néglige pas. La guerre, c'est la stratégie. Facebook de nos jours, c'est la stratégie.
Les combats ne sont plus vraiment rudes, comme j'ai entendu quelqu'un dire, il n'y a plus de combat. Vous croyez que les gens n'ont pas à faire? Les gens ne peuvent plus prendre la caméra comme avant. Il y avait d'abord le chômage. Et les gens étaient mineurs. Il y a des filles qui sont passées de là, qui sont des mamans des fois. Aujourd'hui, tu ne peux pas laisser les enfants te pleurer que tu viens faire un direct. Mais si tu as ton mot à ajouter, comme je suis en train d'ajouter là, je vais le faire. Si tu as ta pierre à porter à l'édifice, ça ne peut plus être comme avant. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On ne veut plus ce genre de choses. On veut que s'il y a un divin socorre, tout le monde vient verser son venin et puis on passe à autre chose. Ce n'est plus le genre des reines qu'on dit qu'il faut que telle meure. Mais non, les choses ont changé. Le COVID nous a fait comprendre qu'à n'importe quel moment, la vie peut basculer. Donc, je suis en train de dire ici présent que, pardon, ce problème de ma pépé et sa fille adoptive, qui est Michèle Essumba, mettons un peu le rideau dessus. Qu'elle fasse comme elle veut. C'est sa fille. Nous ne pouvons pas lui dire que ne parle plus avec Michèle Essumba, non. Michèle Essumba aussi, à un moment donné, a fait des choses, des grandes choses dans sa vie et continue à faire. Elle ne peut pas la balancer d'un revers de main. Non. Mais ça, à Michèle Essumba, je veux aussi lui dire de comprendre qu'il y a des concessions qu'on ne met pas les pieds. Quand tu sais que ta main ne s'entend pas avec le voisin, tu peux rester à la porte même s'il y a bagarre là-bas. Tu ne peux pas entrer. Je te condamne aussi un peu, mais le linge sale se lave en famille. J'espère que tu ne dois pas récidiver. Parce que tu as donné une partie de la chicotte pour qu'on fouette ta mère avec, qui est ma pépé. Mais ce n'est pas, c'est pas peine perdue. Rebrousse vite chemin, ma chérie. On vous a trop vu. Pour qu'aujourd'hui, vous vous mettez en spectacle. Si tu te mets en spectacle avec ma pépé, c'est-à-dire faire le direct, tu fais le direct, vraiment, ce serait une honte. Quand tu as dit à ceux qui disent que lui, elle va apprendre à marcher, cette personne ne marche, c'est même le serpent à ses amis en brousse. Ça ne va pas, tu te poses, tu continues. Il y a de bonnes personnes partout, il y a de mauvaises personnes partout. Personne ne peut marcher seul, comme vous dites. Nous tous là, on a toujours une petite personne à qui on peut dire bonjour tous les jours. Ça ne va pas que tu te poses, Dieu va te donner encore l'autre là-devant. Tu vas marcher seul, que tu vas faire comment? Donc tu vas te lever le matin, tu marches seul. Même au lieu de service, tu es seul. Il y a des bonnes personnes. Et je vous dis, les bonnes personnes sont quelque part aussi qui vous attendent. Vraiment bonne journée, c'est ce que je voulais vous dire. Que merci. La vie est ainsi faite. Portez-vous bien. Je vais sortir, merci. Je dirais, parce que je vais au travail. Merci, bonne journée. Oui. Ouais, non, justement, c'est ce que je peux pas parler. C'est ce que je disais là tout à l'heure, que ne mettons pas trop nos organes et que nous qui sommes derrière les claviers ou les caméras, on se dit que on voit ça comme si, je sais pas quoi. Pourtant, si c'est nous-mêmes, on ne peut pas se comporter comme ça. Tu te lèves pas un matin pour dire à une personne que non, c'est fini l'amitié comme ça. Non. Ou bien que c'est. En plus, j'ai dit, ce n'est même pas seulement l'amitié, mais c'est la marraine de son enfant. Vous voulez dire qu'elle doit couper les ponts avec la marraine de son enfant? Elle peut juste prendre des distances et elle doit se justifier avec elle. Elle s'est justifiée avec elle, lui a dit, elle peut maintenant savoir comment, tu vois, un peu la cerner, mais pas dire que couper les ponts, vous venez la clasher et tout. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord pour ça. Ça, c'est, il faut, à un moment donné, il faut parfois aussi s'infliger. Je suis trop de haine, trop de haine. On va arriver où avec tout ça. Et du fait que aussi, et vous savez quoi? Ça ne pourra jamais se faire dans la vie que peut-être, prenons peut-être le cas de ma pépé là maintenant avec Michèle, n'est-ce pas? Que tous les gens qui vont marcher avec Michèle ou bien qui vont aborder Michèle seraient certainement en accord avec ma pépé. Il y aura toujours des gens qui ne s'entendent pas avec ma pépé, qui sont avec Michel. Donc, elle va faire comment? Elle va régner tout le monde. Elle, qu'est-ce que tu ne dis pas bonjour à ma pépé? Elle dit qu'un, non, pareillement pour ma pépé. Elle ne peut pas aussi régner tout le monde qui est autour d'elle, qui ne parle pas avec Michel. Elle peut juste savoir faire la part de choses. On va continuer le direct avec toutes ces paroles-là. Ouais. Le direct a trop duré, ça fait 2 heures, presque 2h20. Vraiment, merci. Et ce que maman Prestige a dit, et notre sœur en train de dire, on va clôturer le direct avec ça. Bonsoir, maman. Voilà. Bonsoir, ma fille. Bonsoir. Bonsoir. Bisous. On va clôturer. Merci beaucoup pour ta participation. Je pense qu'on va clôturer le direct avec. Je ne vais plus rien rajouter. Prestige a tout dit et je pense la même chose. Michel, si je te tape, je ne te tape pas parce que je te déteste. Je te tape parce que je t'aime. Oui, Michel, je t'aime. Je ne te déteste pas. Je veux juste que tu sois
un peu plus éveillé. Peut-être je tape fort. Mais il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine sur tout ce qu'on fait là. Je garde les dernières paroles de Maman Prestige, la classe qui vient de partir. Et pour arrêter le direct, à partir d'aujourd'hui, je pense que moi-même, je parlerai plus de ce sujet de Michel, quel que soit ce que son, comment il s'appelle, son ex-époux va venir dire. Tout au contraire, je pense qu'on va protéger Michel, parce que si pour lui, il veut déjà venir dénigrer Michel, et pourtant lui-même aussi pouvait aider Michel, on ne va pas le laisser faire. Mais en espérant que Michel a compris, Maman Prestige a dit, il y a les cours qu'on n'entre pas. Au quartier, même on a tous grandi, ceux qui ont grandi au Cameroun, il y avait les concessions où on mettait pas pied. C'était interdit de mettre pied. Malgré qu'on était petit, on savait qu'on ne devait pas mettre pied là-bas. Donc, je pense qu'on va arrêter comme ça. Je vous aime. Respectons nos leaders. Si tu supportes Maman Pépé, respecte ce que Maman Pépé veut. Respecte les choix de Maman Pépé. Tu peux taper, mais ne tape pas, tu veux plus taper plus que elle. C'est elle la patronne. Si tu supportes Mafo, respecte ce que Mafo dit. Tu peux dire Mafo, oui, mais ne faut pas faire comme si c'est toi qui donnes les ordres, non. Puisque c'est Mafo la patronne. Respectez vos leaders. Je pense que je vais faire un direct pour les deux teams. Et je vais convoquer tous les deux teams, le team de Maman Pépé et le team de Mafo. On va faire un mot direct où on va parler ensemble pour on appelle ça quoi, pour clôturer le pour essayer de parler. Je veux convoquer les deux teams où on va faire les choses, parce que moi je ne suis ni de la TKC ni des abeilles. Je suis neutre. Donc, je pense que je vais faire un direct où je vais convoquer les deux teams. On va parler, on va beaucoup parler à cœur ouvert. Donc, bisous, bisous. Soutenons les gens qu'on a choisi à soutenir. Quand tu aimes une personne, même si tu veux lui parler, tu peux parler, mais tu doses un peu. Et apprenons à doser. Apprenons à doser parce que moi-même, je colle fort. Mais souvent, je dose.